Bonjour tout le monde, bonjour les gens, bienvenue ici. On se retrouve sur Euro Truck Simulator, mais vous le constatez à côté de moi, aujourd'hui c'est pas un camion que je vais conduire, c'est un bus. Vas-y, passe-moi à travers toi si tu veux. Aujourd'hui c'est un bus parce que oui, il y a eu des petites nouveautés dans le jeu. Disons qu'il y avait une extension qui existait déjà qui s'appelle toujours Debus World. Et en fait, on pouvait jouer avec des bus en local et tout, mais bon, je l'avais déjà testé et c'est vrai que c'est sympa. Seul problème, c'est que le GPS ne se met pas à jour et donc pour trouver les arrêts de bus, c'est un. Enfin, moi, j'y arrive pas. Voilà, un bazar, c'est pas possible. Donc, du coup, j'y jouais pas, quoi. Et là, Truckers MP a fait un partenariat donc avec Debus World et aujourd'hui, maintenant, on peut jouer donc sur Truckers MP, donc sur un serveur multijoueur avec les bus. Et là, ce qui est cool, c'est que si on regarde notre GPS, il se met à jour. Donc là, on est sur Paris. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit Paris-Liège en bus. Avec, il y a trois arrêts, quatre arrêts, je ne sais plus. Enfin bref. Donc on va aller chercher dès maintenant nos premiers Prêt à passagers. rouler. Et c'est parti. Alors le truc aussi, c'est que. On n'a qu'un seul bus à disposition pour l'instant sur le multi. Quand on joue en local, on a plusieurs bus à dispo, hein. Recherche d'un nouvel itinéraire. Mais quand on joue sur le multi, il n'y a qu'un seul bus qui est Tournez à disponible. droite. Alors on peut le pimper un peu, changer les couleurs, changer ceci, cela, Allez tout mais ça droit. reste limité. Et le truc, c'est que. Enfin, moi, ça me trigger un petit peu. C'est que c'est un bus Tournez à électrique. gauche. Donc le bruit. Voilà quoi. Déjà, il n'y a qu'une vitesse. Et écoutez le bruit. Voilà, Allez tout j'ai droit. beaucoup de mal à m'y faire, honnêtement. Mais sinon, la conduite est sympa, c'est assez Au agréable. rond-point, prenez la deuxième sortie. C'est assez agréable à conduire. C'est un peu différent du camion. Bah effectivement, parce que ça braque, ça pivote plus. Sortez Enfin maintenant. bref. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc installez-vous, je vous en prie. Donc là, tous les joueurs qu'on croise, hein, c'est. Enfin, toutes les autres véhicules qu'on croise, c'est des joueurs, IRL. Des vrais êtres humains, comme moi. Si, je suis réel. Et donc par contre, Prenez la y a droite, pas puis du tout sortez à de droite. circulation autre, quoi. On est sur Truckers MP, quoi, comme je faisais avant. Sortez à Donc droite. sinon le bus il est sympa, j'aime bien. Attends, je vais vous montrer un petit peu plus en détail quand on sera en ligne droite. Mais sinon j'aime plutôt bien le bus. Donc en haut la petite fenêtre que vous avez en haut à gauche pour rappel là, c'est la liste des joueurs qui sont pas très loin de moi. Et salut RemVTT 4985. Oh là, l'autre, j'ai failli lui friser le moustache. Bienvenue ici et merci pour ton follow. Bienvenue dans la team Papy, c'est cool. Oui, donc je disais le bus, regardez, voilà, on a un bus. Alors pour l'instant il est vide hein, parce qu'on part du dépôt. On va aller à notre premier arrêt de bus. On va aller récupérer nos passagers. Et donc on va faire Liège. Alors je sais plus où sont les différents arrêts. On va voir ça. Là, je crois que je roulais avec mon clignotant. De rien, avec plaisir, Tenez la c'est moi que ça droite, fait plaisir, puis tournez à droite. RemV. Je vais t'appeler RemV si ça te dérange pas, c'est plus facile. RemVTT. Ah, RemVTT, tu fais du vélo, c'est ça? Tu fais du VTT, j'imagine, c'est ça, non? Tournez à droite. Alors les différents Préparez-vous points à qui sont sur tourner à la map, gauche. je crois que c'est les arrêts de bus, justement. Ah ben voilà, RemVTT, ouais, c'est écrit Tournez à gentil. Bah gauche. oui, et du coup maintenant c'est plus facile à dire. Bon, je vais t'appeler MVTT alors. Voilà. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Donc c'est bien en plus parce qu'ils ont mis, ils ont exploité des parties de la map qui n'étaient pas exploitées. Donc c'est plutôt cool. Où est-ce que je dois les mettre moi? À côté de lui? Ah, à côté de lui. Ouais.
Donc c'est dommage, il va nous cacher un petit peu la vue. Mais alors là, ce que je fais, c'est j'arrive. Je mets mal en placement, voilà, je tac. Prends la main et j'ouvre les portes. Voilà, j'ouvre les portes à l'avant, j'ouvre les portes à l'arrière. Et normalement, si tout se passe bien... Paris. Voilà, Paris, les gens montent. C'est beau, non? C'est beau. Alors normalement, il y a aussi un truc là, pourquoi je le vois pas, je ne sais pas. Setting, c'est lui là, normalement, je devrais le voir. Apply. Normalement, il y a une petite fenêtre qui me dit où je dois aller. Mais bah, je sais pas, je la vois pas. On y va. Le prochain arrêt est à Reims. Ok. Donc on referme les fenêtres. Donc on voit, il y a des gens qui sont montés dans le bus. Hein. Donc on referme les portes, du moins, pardon. Porte arrière. Porte avant. Hop. Je regarde. Ok, il y a quelqu'un là-bas. Si je regarde en extérieur, est-ce que j'ai du monde Oula, oula, oula. Attendez. Hop, là, que je me sorte de la texture. Ouais, c'est ça, ouais, y a du monde là. Ici, ici, ici. Bon, il n'y a pas grand monde qui monte. Ah bah ça y est, elle est apparue, la petite fenêtre, vous voyez, sous mon rétro, là, juste au-dessus de moi. Là. Bon, bref, donc, hop là. C'est parti, parce que du coup, on a des horaires à respecter, donc on va essayer de pas trop traîner. Hop. Alors par contre, oula, oula, oula. Bah oui, bah vas-y, toi, l'autre, China Rec, là. Laisse tomber, hein. Moi, je préfère la Papy Chuck Company, hein, qui est plus zen. Hein. Les passagers sont pas tourneboulés, au moins. Et salut, Léo Marnet, salut, Jely, bienvenue tous les deux. Allez, on prend à droite. Boum, c'est parti. Tournez à gauche. Bon, on va virer la fenêtre de Truckers MP, là, voilà. Donc oui, à part le fait que ça soit un bus électrique, moi, ça me trigger un petit peu, c'est ce bruit de moteur, là. À part ça, c'est sympa. Puis il n'y a qu'une vitesse, du coup. Alors bon, pour moi, ça gêne pas trop, puisque je fais que j'avance et je suis en automatique. Mais pour des gens bah, comme toi, Lolo, là, par exemple, Léo Marnet, là, qui joue avec le levier de vitesse, là, pour le coup... Alors, et franchement, je préfère y jouer en étant sur Truckers MP parce que j'ai essayé d'y jouer en local. Alors, le côté positif d'y jouer en local avec le bus, c'est qu'on a des le choix de bus. On peut avoir plein de bus différents. J'ai installé plusieurs modes, tout, c'est assez sympa. Il y en a qui sont très cool, qui sont très beaux d'ailleurs. Mais le fait que le GPS ne se mette pas à jour, bah, enfin, moi, ça me gâche le jeu. Quoi. Je sais pas où je dois aller, je sais pas où je dois m'arrêter. C'est injouable. Enfin, je réussis pas. Voilà. Au moins sur Truckers MP, ils ont fait les choses correctement. Quand on prend une mission, boum, le GPS il nous dit où faut aller et on cherche plus à comprendre et c'est parti quoi. Tu vas tester ça ce soir, toi, Lolo. Oh, tu vas voir, c'est assez sympa. Tu vas de d'arrêt de bus en arrêt de bus. Pour installer la petite appli DB World là, DB World pardon, et puis voilà, c'est réglé. Ça fait un peu comme quand on faisait du Pro Driver, tu sais, il y a une appli en plus quoi, qui permet de choisir les lignes qu'on veut faire. Sortez maintenant. Tenez la gauche. L'avoir où cette appli bah, sur le site, ça s'appelle Debus World. DBUS et un peu plus loin WORLD. Tu crées un compte chez eux, tu télécharges l'application. Après, dans le chemin, faut que tu lui dises quel. Sortez à droite. Où est ton truc. Pas ton Truckers MP, où est ton ETS2, quoi. Surtout, sortez faut paramétrer les boutons pour ouvrir et fermer les fenêtres, parce que, en fait, ouvrir et fermer la fenêtre gauche. Allez tout droit. C'est ce qui sert pour ouvrir et fermer la porte du bus qui est là.
Et ouvrir et fermer la fenêtre droite, c'est ce qui sert pour ouvrir les portes arrière. Donc tu paramètres ces touches-là dans ton jeu. Si c'est pas les mêmes touches par si c'est pas les touches par défaut, tu paramètres aussi dans Debus Word. Et puis hop, c'est parti. Tu choisis ta map parce que tu peux jouer sur Grand Utopia, tu peux jouer sur sur ProMode, pas encore la dernière ProMode a priori. Tu peux jouer sur d'autres maps quoi, sur la map normale, etc. Et tu peux jouer sur Truckers MP. Donc tu choisis la map sur laquelle tu veux jouer. Et après tu choisis dans toutes les listes de lignes disponibles, tu choisis celle que tu veux faire. T'as pas configuré la droite, bah va falloir. Enfin c'est pas obligé, mais c'est mieux parce que. Enfin si, je pense que c'est obligé pour que les gens puissent descendre. Donc là on voit au-dessus de moi. Hein. On part de Paris à 14h46. Et on doit arriver à Reims à 16h40. Par contre, moi, il y a un truc qui me trigger aussi, c'est les rétros tout en haut. Là. Parce que quand j'ai la tête droite, bah, je vois ma roue, super. Donc là, et c'est pareil, il y a un truc aussi, ça, je sais pas à quelle vitesse je roule. Ah si, j'avais pas vu, ah mais si, il y a le compteur de vitesse qui est là. Donc faut pas faire le plein d'essence, bien sûr, puisque c'est un truc électrique. Mais faut quand même passer à la pompe essence. Alors on considère que c'est parce qu'il faut recharger les camions, recharger les batteries. Quoi. Bah, disons que ça s'appuie sur le moteur du jeu TS2, quoi. Donc effectivement, le truc de remettre de l'essence, ça ils ont pas pu l'enlever. Peut-être que dans l'avenir, il y aura des batteries, il y aura des endroits pour recharger la batterie. Et pourquoi pas, ça pourrait être cool. Quoi. Bon alors, comme d'habitude, hein, surtout, vous n'hésitez pas, vous me dites si le son du jeu n'est pas assez fort, trop fort. Pareil pour la musique, si vous ne l'entendez pas, si vous l'entendez trop. Et pareil pour ma voix, ma douce et suave voix, n'est-ce pas? Tenez la gauche. Mettre un petit peu plus fort dans mon casque, voilà. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? Oh, par contre, ce bruit. C'est de toute beauté. Oula, oula. Est-ce que vous avez déjà vu un autocar faire des tonneaux? Normalement, c'est pour aujourd'hui. Donc prochaine pompe à essence qu'on croise, faut que je m'arrête. On va refaire le plein des batteries. Du coup ça m'a hypé, je me suis réinstallé Bus Simulator 21. J'ai rejoué un petit peu. Alors le bus il roule pas vite, hein. on voit bien qu'on est sur un bus, hein. Enfin sur un autocar, pardon. Et parce qu'en fait, c'est pas des bus qu'on conduit, c'est des cars. Une différence. En fait, la seule différence, c'est un bus c'est en ville, quoi, en milieu urbain, on va dire. Alors qu'un car, c'est de ville à ville. C'est les grandes lignes, quoi, on va dire. Bon, pensez à vous hydrater, il fait chaud. Hein. Quoique, je sais pas vous, mais moi, il fait un peu moins chaud là depuis hier. Hier, c'était acceptable, aujourd'hui aussi. J'ai baissé d'un cran mon ventilateur. Donc l'étape là que j'attends, la prochaine étape, c'est que bah, Truckers MP nous permette d'autres bus. Parce que là, c'est vrai que tout le monde a un peu le même bus, du coup. Alors, c'est vrai que comme ça vient de sortir, on croise pas mal de bus, j'avoue. Mais il y a encore des camions, hein. La preuve, on vient d'en croiser un. Là. Ça, je crois que j'ai réussi à atteindre les 80.
Yes, pardon. J'ai mis le régulateur. Je bloque à 80, on n'en parle plus. Je suis dehors en train de continuer l'abri de jardin. Il fait chaud quand même. Ah bah oui, je veux bien te croire, Lolo. Ah ouais. Surtout à bricoler au soleil là. Très la pompe à essence. Hey, salut Factel! Comment ça va? Bienvenue ici. Salut les Flixbus. Ben justement, non. C'est ce Peu que je disais, importe, on n'a pas je trop le choix. trouverai un nouvel J'en ai un itinéraire. Flixbus, mais sur ma partie locale. Donc on s'arrête à la pompe à essence, mais en fait on va recharger les batteries, hein, comme on a un bus électrique. Hein. Bah ouais, c'est la base. Alors il nous dit qu'on prend du gasoil, mais c'est parce qu'il se trompe, hein, bien sûr. Coucou les déménagers. Ah bah oui, ça doit commencer à vraiment être tout dans les cartons là, j'imagine, non, Lolo? Ah ouais, non, c'est les bus électriques, ça ne plaisante plus. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il t'est arrêté en plein milieu de la 4 voies, et comme par hasard, il repart quand je sors descendre. Non, mais allô, là. C'est toujours prévu pour dans 15 jours, la grande transhumance. Ouais, c'est ça. Lève-toi là, j'ai cru qu'elle voulait pas s'ouvrir. Salut, salut. Alors ouais, c'est pas vrai. J'ai pas de klaxon. Enfin, j'ai klaxon, mais c'est klaxon d'origine. On peut pas mettre des trompes sur les bus. Par contre, c'est clair, dès que on sent que c'est un moteur électrique, parce que dès qu'il y a un malheureux faux plat, ouh, la vitesse est descend, mais une vitesse incroyable. Bon, sinon, je lis, faut qu'on se croise sur Days là, hein, parce que j'ai ton stuff toujours. Hein. Oui, salut, salut. Ah, on arrive à Reims, bientôt notre premier arrêt. Je vous laisse, j'y retourne à plus tard. Ok, Lolo, bon courage, bon bricolage. À plus. Bye bye, merci d'être passé. Tenez la droite, puis sortez à droite. Reims centre. Hey, salut mec! Sortez à droite. Ça va, l'arrêt de bus, il est juste à la sortie de la 4 voies. Enfin, l'arrêt de bus. Le centre autoroutier, comment on pourrait appeler ça? Au rond-point, prenez la deuxième sortie. La gare routière. Ouais, ça me ouais, c'est bien la Sortez gare routière. maintenant. Donc elle est là. Ok. C'est là-bas, d'accord. Okay. Alors l'autre fois quand je l'ai essayé, il y avait mais moult gens qui étaient avec le bus dans tous les sens. Ah, il y en a un petit peu moins aujourd'hui, on dirait. Voilà. Nous sommes arrivés, messieurs, dames. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Ouverture des portes. Attention à la marche en descendant. Mais pourquoi c'est pas vert? Voilà, là c'est vert. Reims. Attention à la marche en descendant. Reims. Reims, 2 minutes d'arrêt. Hey, salut Continus! Papy le BG, ouais. Comment ça va? En forme? Ça y est, tout le monde est monté. The next Allons-y. stop is Liège. Liège. Prochaine étape, Liège, ok. Liège. Ouais, il a un petit accent.
Je vais refermer la porte là. Je vais refermer les portes là. Ok. Allez, monsieur, dame, c'est parti. Bon voyage. Veuillez éteindre vos cigarettes. Oh non, on marche avant, ça sera plus simple. Attachez vos ceintures. Vous pouvez écouter la musique, mais pas trop fort, tant que ça ne dérange pas les passagers à côté de vous. Et bien sûr, interdit de fumer. Il est interdit de vapoter. N'oubliez pas le pourboire pour le chauffeur en partant. Au rond-point, allez, ça roule. Prenez la deuxième sortie. Sortez maintenant. Bah ça va tranquille, ça va tranquille. Continue, toi. Petit samedi après-midi, du coup, live. Et comme il y a de la nouveauté sur ETS, je me suis dit, c'est le moment. Qu'est-ce que tu veux, chat? J'ai le chat qui vient à côté de moi. Vous ne voyez pas, mais il est juste là. En fait, je soupçonne, parce que j'ai un ventilateur qui est juste là, moi, dans l'alignement, là, un peu au-dessus de ma tête, là, en face de moi. Et je soupçonne, parce que d'habitude, il vient jamais là. Et en ce moment, il est tout le temps là. Je soupçonne qu'en fait, il se met sous le ventilateur, et non pas que qu'il me kiffe. Papy, ta barbe est cool. Ah, c'est sympa, merci, Continuus. On le voit pas parce que le chat est vert, mais ça doit être ça. Ouais. Non, mais j'ai pas de fond vert, Factel. Hein. C'est une appli qui enlève le décor qu'il y a derrière. Bah, Nvidia... Nvidia, comment ça s'appelle? Je sais même plus. Broadcast. Nvidia Broadcast. Tenez la droite, puis sortez à droite. Avant, j'avais acheté une appli exprès. J'avais payé cher, en plus. Hein. Sortez à droite. Puis Nvidia a sorti ça gratuitement. Le fail. Préparez-vous à tourner. Qui fait mieux le boulot, en plus. Enfin, quand t'as une carte vidéo Nvidia. Du coup, bah voilà. Ouais, elle marche plutôt pas mal comme appli. Tournez, ouais, je suis à gauche. Bon, il y a des petits soucis, hein, mais comme tout ce genre d'appli, quoi. Tu vois, si je mets ma main, elle disparaît, réapparaît, tout, tu vois, c'est bizarre, quoi, parfois. Mais ça fait le taf, c'est ce que je lui demande. Parce que moi, comme mon PC, bah, il est dans ma pièce à vivre, du coup, bah, derrière moi, on voit tout chez moi, quoi. Et ça encore, ça me dérangerait pas trop, mais surtout, potentiellement, on peut voir ma famille qui vient, quoi. Et là, c'est déjà plus gênant, parce que lui, ils ont peut-être pas particulièrement envie d'être... de passer devant des millions de personnes qui me regardent, tu comprends? J'ai mangé quoi, papy? Alors, si tu regardes dans ma barbe, tu devrais trouver. J'ai mangé des croques... un croque-monsieur. Parce qu'il faisait chaud, on n'avait pas très faim... Ma femme était pas très motivée à faire de la cuisine. Du coup, comme on avait mangé un croque-monsieur hier et qu'il en restait un, j'ai dit, bah tiens, moi je vais manger ça. Et voilà. Et toi, t'as mangé quoi, Continuus? Et ce soir, bien sûr, barbecue. Ah oui. Ouais, la notoriété, faut être préparé, c'est ça, Factel, exactement. Je dis ça alors que l'autre fois, quand j'ai eu le raid là avec 26 personnes, j'étais en PLS. C'est dommage, ils sont arrivés juste à la fin. Enfin, quoi, 5-10 minutes avant la fin. C'est pas grave, ils auront au moins eu le plaisir de découvrir la chaîne. Après, le serveur a reboot, il a fallu que j'aille manger, tout ça... Après, c'est souvent ça, hein. Les gens arrêtent les lives à peu près à la même heure, hein, parce que pour les mêmes raisons. Il est l'heure d'aller manger, il est l'heure d'aller se coucher, et ils commencent à peu près à la même heure aussi. Bon, moi, je commence plus tard, le mercredi. Et voilà, quoi. T'as mangé une merguez froide? Ah, t'aurais pu la faire chauffer, c'est meilleur, je trouve. Après, c'est une question de goût. Ah, on va croiser quelqu'un. Bus ou camion? On prend les paris. Camion. Salut. Et donc, alors, le fait de faire ça, là, des livraisons de passagers, on va dire ça, dit comme ça.
truc qui m'a fouetté. Ah, mais voilà, Cantinus, je l'ai senti venir. J'ai senti qu'on prenait dans ma dans mon armoire et mon fouet, là. Hein. Donc, je disais, oui, le fait de transporter des passagers, du coup, ça rapporte pas de l'argent in-game. Par contre, sur le site de Debus World, là, sur ton compte, tu as tout un récapitulatif du nombre de voyages que tu as fait, du nombre d'argent que tu as gagné, du coup. Ça y est, je me fais frapper. MVTT qui s'y met, ça y est, c'est bon, c'est parti. J'ai eu du calme pendant 10 minutes. Je vais encore me faire victimiser, je le sens. Donc bref, oui, il y a tout un suivi sur le site de Debus World qui est sympa. On peut même créer des entreprises de bus. Bon, je l'ai pas fait parce que... Il y aura sûrement quelqu'un qui le fera, j'irai peut-être chez dedans, on verra. Lol, désolé. Non mais t'inquiète, MVTT. Je suis habitué. Si tu savais à quel point je peux être martyrisé sur ce live. Hein. Puis en même temps, je donne le bâton pour me faire battre. Hein. C'est moi qui ai mis le fouet et puis les coups de poing. Hein. Donc voilà quoi. De nos jours, le stream... Attends. Moi, les jours de stream, je ne mange pas. 6h30, le live hier soir. Ouais, bah, j'ai vu que tu n'avais pas arrêté de ne pas arrêter. Ouf. Mon cœur. Continuous. Mon cœur. Alors, t'avais soif, Factel, parce que t'as pas la tasse Papy Chuck. Parce que si t'avais la tasse Papy Chuck, tu vois, tu la mettrais à côté de toi, le petit Perrier qui va bien, et du coup, même pendant le live, tu peux boire. Tu vois. Alors, si tu veux la tasse Papy Chuck, n'hésite pas, tu tapes point d'exclamation shop dans le chat, là, ou point d'exclamation magasin, point d'exclamation boutique, tout marche. Tu auras un lien pour pouvoir te fournir une superbe tasse dans laquelle tu peux tout boire. Hein. Moi, je bois de l'eau, du café, du thé. Ça doit être à peu près tout. Non, j'ai même bu du coca. Et c'est vachement meilleur dans cette tasse-là. J'avoue, franchement, je dis pas ça parce que c'est une tasse Papy Chuck. Bon alors continue, c'est bon, t'as décidé, tu me martyrises. Tu me fouettes, tu me fais peur. Mon pauvre cœur de papy, t'as pas entendu comment il a sursauté dans ma poitrine. Oh, c'est l'autre fois, c'est Fabrice, il nous a fait ça en plein désert, j'ai cru qu'on me tirait dessus. Même que on est sur un serveur PVE, j'ai des vieux réflexes quoi. Quand j'entends tirer, je me dis, ah on me tire dessus, c'est des aides quoi. Alors j'ai mis le GPS en éviter les autoroutes en tant qu'à faire pour qu'on se promène. Alors on sera peut-être un peu plus en retard que l'heure prévue. On verra. Allez tout droit. On va essayer de pas trop être en retard non plus quoi. Tant qu'à faire. Il n'y a rien de pire que d'attendre ton bus et qu'il n'arrive pas. MVTT, je vois que tu as un petit icône là devant ton pseudo avec c'est un haut-parleur avec une croix. Donc j'ai l'impression que ça veut dire que tu regardes le live sans le son. Du coup, je peux dire plein de méchanceté sur toi, c'est cool, t'entends pas. À moins que tu saches lire sur les lèvres et là je suis mal. Non, c'est pas le genre de la maison. Je dis pas de méchanceté sur les gens. Mais j'en pense plein. Oh, je suis taquin, hein. Aïe, c'est qui fouette. Eh ben voilà, continue, c'est bon, quoi. Non, je suis en volume. Ah, ça veut dire que tu écoutes seulement, mais tu ne vois... T'as pas la vidéo, c'est ça? Ah, tiens, il y a un train qui va pas assez. Chou-chou, cargo rail. Chou-chou.
Attends, je vais le racheter, mais j'ai pas d'argent sur mon compte et sur ma carte bleue et j'ai une. Mais non, mais continue, t'inquiète. C'est de toute beauté, n'est-ce pas, hein? T'inquiète, continue, je disais ça pour ceux qui avaient envie, ceux qui pouvaient, ceux qui veulent, voilà. Il n'y a aucune obligation à acheter la tasse, Continuous. Non mais n'importe quoi, heureusement. Ici, tout est gratuit. Tout est gratuit ici. Tu n'es pas obligé de faire des dons, tu n'es pas obligé de donner des bits, tu n'es pas obligé d'acheter des trucs dans le shop, rien, voilà. Si tu as envie, c'est là, c'est dispo. Mais si tu n'es pas obligé de le faire, c'est gratuit. Tu peux rester sans rien faire du tout, c'est cool quand même. Déjà, votre présence, moi, ça me fait kiffer, déjà. Ah si, tu as le son... Et l'image MVTT, bah je sais pas pourquoi il y a ce petit icône devant ton pseudo alors. Je suis seul à voir ces petites icônes là ou vous aussi les gens sur le chat vous voyez ce petit icône devant MVTT? Jli qui donne 10 bits, yes! Merci monsieur Jli! Ça fait plaisir, c'est cool! De toute beauté, n'est-ce pas? Regardez-moi ça, c'est joli ça. Ça aussi, c'est de toute beauté. Ce petit pont avec les trois arches. D'ailleurs, il s'appelle le pont aux trois arches. Dans la région, c'est comme ça qu'on l'appelle. Entre deux dépannages, tu fais un don de bite. C'est cool, je l'ai droit. J'espère que tu vas avoir plusieurs petits dépannages dans l'après-midi. Ben Continuous, faut que tu demandes à tes parents hein, d'abord hein, avant d'acheter quoi que ce soit sur le shop. Hein. Parce que d'après ce que j'ai compris, t'es jeune. Donc faut que tes parents ils soient d'accord. Hein. Sinon tu t'achètes rien, tu fais pas de dons, tu fais rien du tout. Hein. On est d'accord, hein. C'est important. Hein. Moi je veux pas que tu fasses des bêtises et puis qu'après que tu t'en veuilles. Là. Et qu'après on vienne me voir en me disant ouais machin, là, tu profites des jeunes et tout. Hein non. Donc si tu veux acheter la tasse, t'en parles à tes parents, et puis tes parents, s'ils trouvent que c'est bien, ils l'achèteront, quoi. Dac. Non, l'inverse, tu voulais dire. Comment ça, l'inverse? J'ai pas compris, je lis. Hop là. Tu n'en profites pas, sauf une fois où je n'en profite. De quoi tu parles? J'ai déjà zappé ce que j'avais dit sûrement parce que je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai dit que je profitais d'un truc. Ah oui, que je profite pas des enfants. Des jeunes. Sauf une fois où j'avais. Même pas. Préparez-vous à tourner à gauche. Même pas. Tu confonds, je lis. Je ne mange pas de ce pain-là, moi, monsieur. Tournez à gauche. Heureusement d'ailleurs. Alors hier, je me suis fait... j'ai un peu abusé hier. J'ai bu 2 litres de jus de tomate. Avec comment ça s'appelle du sel au céleri là et surtout du tabasco dedans. Alors j'adore ça. Hein. Je vais regarder des épisodes de ma série là Viking parce qu'ils ont sorti des nouveaux épisodes il y a quelques temps donc du coup je suis en train de les regarder. Et du coup tout en regardant ça j'ai bu tranquille du jus de tomate, du jus de tomate, du jus de tomate, du jus de tomate. J'en ai bu 2 litres en tout. Bah, aujourd'hui j'ai mal à l'estomac. Trop de jus de tomate plus trop de sauce piquante dedans là, ça m'a... Ça picote un peu du coup là. Ça m'apprendra à être gourmand. Je crois qu'on est suivi les gens, il y a un point bleu derrière nous. Ah ouais. On est suivi. Donc tous les points bleus qu'on voit sur le GPS là,
Attendez, je vais mettre ma cam de l'autre côté. Allez tout droit. Tac, tous les points bleus qu'on voit sur le GPS, en fait, ce sont des autres joueurs. Et si on voit un point vert, eh ben, c'est un autre joueur qui est dans mon... dans mes amis Steam. Et le soir, la sauce piquante fera son job. Bah écoute, je lis moi en général. C'est pas trop à la sortie que ça me dérange. À l'entrée, j'aime bien. Mais c'est plutôt dans l'estomac que c'est un souci. À la sortie, ça va. Ça, j'ai pas le ressenti, quoi. Si, on voit, si tu vois ce que je veux dire. Oui, donc en fait, puisque j'ai bougé ma cam, là, il est temps d'en parler, vous avez peut-être vu. Mais dans les points de chaîne, vous pouvez aussi faire jouer avec ma cam, hein, la mettre à droite, la mettre à gauche. Vous pouvez même la virer pour quelques instants. Tenez la gauche. Puis et toi, je lis. Comme tu es modérateur, j'ai remis en route ce que j'avais fait il y a quelques temps de ça. Allez, les droit. Commandes modérateur, cam droite et cam gauche, quoi. Du coup, s'il y a besoin, je lis, tu tapes cam droite, cam gauche, et hop, ça bouge la cam sans que tu aies besoin de dépenser tes précieux points de chaîne. Voilà. Mais c'est bien parce que tu es modo. Et les autres, vous pouvez le faire aussi, mais avec des points de chaîne. Je suis content parce que j'ai réussi à faire ça sans mettre de plugins dans OBS. Puis sortez à alors que la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais mis des plugins. Là, je l'ai fait avec l'Arion Board et je pense que c'est plus léger pour OBS. Sortez à droite. Et même que tu t'inverses en fonction de la vue. Oui, maintenant, c'est vrai. Je m'inverse en fonction de la vue. Alors qu'au début, c'était pas le cas. On s'améliore à chaque fois, je lis. Papy, t'as vu mon message? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Attends. Ma mère me laisse faire, puis je gagne beaucoup d'argent avec la revente. De véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. Ah bon, tu vends des véhicules de la Deuxième Guerre mondiale? Eh ben. Bah écoute, continue, hein, tant que... Voilà. Hein, je t'ai dit, moi, mon point de vue, c'est que j'aime bien quand les personnes responsables, les adultes, sont d'accord, quoi. Tenez la droite, puis tournez comme ça, à droite. Après, on peut pas venir me voir et me dire que j'abuse des jeunes. Tournez à droite. Après, effectivement, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Hein. Je n'oblige personne. Que ça soit bien clair et bien entendu. Préparez-vous à tourner à gauche. Surtout qu'en plus, sur le, sur ce qu'il y a dans le shop, franchement, une fois que tout est payé, je gagne rien. Préparez-vous à tourner à gauche. Sur une tasse, je dois gagner 10 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Recalcule. Bah oui, tu vois, je suis en train de discuter, je fais n'importe quoi. Donc vraiment, c'est vraiment pas pour gagner de l'argent, hein. C'est plus pour faire un goodies pour la communauté, quoi, tu vois. Tournez donc, à si gauche. T'as envie, n'hésite pas, quoi, fais-toi plaisir, mais... Tournez que, à gauche. Il faut savoir que déjà, moi, sur le shop, en plus, je ne maîtrise rien, c'est-à-dire le prix, c'est pas moi qui décide, et les envois, c'est pas moi qui décide non plus. Donc s'il y a des problèmes, des retards et tout ça, bah j'y peux rien. En fait, c'est un sous-traitant qui fait ça, avec Utip. Mais bon, pour l'instant, tous ceux qui ont commandé n'ont jamais eu de problème. Hein. J'en connais plein qui utilisent ce shop-là, il n'y a jamais eu de problème. Tournez à droite. Ah, tu restores puis tu vous revends. Êtes arrivé. D'accord. Heureux, souci de tracteur qui démarrait pas. Ah, tu serais pas dans farming, toi? Ou alors tracteur pour de vrai, peut-être. C'est un vrai tracteur, IRL. Ah, check, attention au trottoir. Monsieur, dame. J'espère que vous avez fait un agréable voyage en notre compagnie. Nous sommes à Liège. This bus terminates here. Yes. Take your belongings with you. Voilà, revenez si vous en avez envie.
Donc voilà le principe. Bon, bah là, il n'y avait que deux arrêts, trois arrêts en tout. Bah, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on va regarder. On va regarder vite fait ce qu'on a de dispo. En attendant, je vais passer sur la scène blabla. Voili voilou. Hop. Qu'est-ce qu'on a de dispo au départ de Liège? Liège, Paris. Ben non, on vient de Paris. Hein. Ça serait bien qu'on fasse autre chose. Ou alors on peut se TP aussi, hein, tout simplement. Hein. On a un Berne-Turin là. Par contre, il n'y a que deux arrêts, c'est pas drôle. Bordeaux-Toulouse. Ah, on peut se faire un Bordeaux-Toulouse, il y a quatre arrêts. On va se faire ça? Ça vous branche? Un Bordeaux-Toulouse. Hop, je vais me TP à Bordeaux. Ah, tracteur tondeuse IRL, là, oui, d'accord. Hein. Bon, c'est bon, maintenant, ça redémarre. Bordeaux, 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 c'est là. Toulouse, ça doit être par là, voilà, c'est ça. On va se faire ça, là, tranquillou. Voyager, ok. Bon, il fait beau, ça sent les vacances, on est sous la paillote, on boit des boissons fraîches, c'est cool, hein, on est bien, non hein. Un tintin, on est bien. Hein. Ça y est. On va démarrer le truc. Boum. Desktop is Bordeaux. Bordeaux. Voici à Bordeaux. Ok, on avance. On avance, j'ai dit. Ah bah il y a le frein. Mmh. Oui, la batterie est faiblarde. Un coup de booster, booster et hop, les enfants peuvent tondre. Ah oui, c'est important de les mettre au boulot, les gamins. Après, elle passera pas l'hiver, la batterie. Si déjà en plein été, elle a du mal. On refait le plein de batterie. Tant qu'on est là. Hein. Pas tous, par exemple, ma Jeep de la Deuxième Guerre mondiale resterait utilisée pour le transport de matériel. Ah, ok. C'est cool. C'est sympa comme, comme hobby. Comme passe-temps. Tournez à droite. Je crois que je roule avec les portes ouvertes là. Allez tout droit. Ouais, carrément. Bon, il n'y a personne dans le bus, mais quand même, quoi. On va peut-être les fermer. Mais non, je veux pas la radio, moi. D'ailleurs, c'est pas Virgin Radio qu'on écoute, t'as tort. Pourquoi je veux plus fermer les fenêtres? Parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Voilà, c'est ça. Tournez à gauche. Au rond-point, prenez la première sortie. Voilà, on va à la gare routière, on va aller chercher nos passagers. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Alors l'autre fois, je l'avais pimpé encore un peu plus, le camion. J'avais mis des pneus, j'avais mis des jantes et tout. Il était plus sympa. Mais quand je me connectais, bah, je me faisais éjecter de Truckers MP parce qu'il me disait que j'avais un mode qui n'était pas valide. Alors que je suis avec zéro mode là sur ce profil-là. Donc j'ai pas tout compris. Du coup, j'ai juste changé la couleur et puis voilà quoi. Tenez la gauche. Hop là. Bon, sinon, c'est vrai que le bruit du moteur électrique... Tenez la droite. Comment dire
C'est entêtant. Voilà. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Hop là, hop là. Je crois que j'ai ripé sur le trottoir. Au rond-point, prenez la première sortie. Vous avez remarqué, les gars, que votre discussion, je ne la répercute pas sur le chat. Hein. Vous êtes horrible. Hein. Horrible, on a l'impression que vous parlez de petits chats. et où l'arrêt de bus? C'est là, hein. Par contre, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Avec sa remorque là. Allô, quoi? Hop et hop. Voilà. Bah, trop. Voilà. Monsieur, dame. Si vous voulez. Pourquoi il veut plus s'ouvrir? Pourquoi ça veut plus s'ouvrir? Parce que j'appuie pas sur le bon bouton encore. J'ai du mal avec les boutons. Bordeaux. Les petits chats, ils bossent même pas, ils servent à rien. Donc si je regarde pendant que ça monte, on va faire Bordeaux-Limoges, Limoges-Montpellier, Montpellier-Toulouse. Voilà. The next stop. Il est temps de prendre la route. Limoges. Limoges, ok. Donc on ferme la porte. On ferme l'autre porte. On enlève le frein de parc et on décolle. Non, bon, on va y aller en marche avant. Hein. Allez. Ah, t'as plusieurs véhicules de la Deuxième Guerre mondiale, Continus, ok. Non mais c'est ça, genre il m'attendait, lui. Vas-y mec, quand tu veux. Hein. Pas le tout de mettre le gyrophare, ça sert à rien. Hein. Au rond-point, prenez la troisième Par contre, sortie. J'ai l'impression que la nuit commence à tomber. Et quelle heure là? Bah non, 15h52. Sortez maintenant. Ça devrait aller pourtant normalement. Je sais pas, j'ai l'impression, non? C'est déjà un peu... J'ai l'impression, je sais pas. J'ai plus à boire. Allez, roule! J'allume mes phares, il me dit. J'allume mes phares, mais ils sont pas allumés mes phares là. D'accord, là ils sont allumés. Ok, d'ac. Donc la nuit tombe bien, j'avais raison. Hein. Dans l'ouest, la nuit tombe tôt. Ouais, c'est ça. Au rond-point, prenez plutôt qu'à l'est, la troisième sortie. Normal. Ah non, il tombe plutôt à l'ouest, à l'est. Le soleil se lève à l'est quand il se couche à l'ouest. Enfin, je sais pas. Puis avec la rotation de la Terre et tout. Bref, il y a un endroit Sortez où ça se couche maintenant. Un peu plus tôt que l'autre, mais je sais plus c'est lequel.
Et la rotation de la Terre, prenez elle tourne la droite, puis sortez à droite. Dans ce sens-là. Alors ma caméra est inversée. Ah non, là, elle est pas inversée, là. Donc ça va. Sortez à droite. Elle tourne de l'ouest vers l'est, quoi, la Terre, on va dire. Donc, du coup, le Soleil, il est là. Quand la Terre tourne, le Soleil se lève. Donc oui, oui, il se couche plutôt, plutôt à l'est. Donc il fait, commence à faire plus noir à Toulouse qu'à Bordeaux. Donc là, à Toulouse, il doit déjà faire nuit, alors qu'on y va, tu vois. Ouais, cherchez pas, cherchez pas. C'est... Des fois, je suis en mode réflexion comme ça, je me dis qu'est-ce qui se passe. La Terre, elle tourne dans quel sens, à quelle vitesse, pourquoi faire. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est normal, oui. Il fait nuit plutôt à l'est qu'à l'ouest, c'est normal. Partant du principe que c'est la Terre qui tourne, c'est logique. Ah oui, parce que la Terre tourne, les gens, ah, faut le savoir. Pensez à vous hydrater, surtout lundi et mardi. Ah bon? Pourquoi que lundi et mardi? Il y a quoi de particulier lundi droite, et mardi? Puis sortez à droite. C'est le jour de l'hydratation? Non, je sors pas parce que de toute façon après tu vas me faire ressortir, re-rentrer. Hop, sortez, je vais à me droite. Mettre là. Par contre, alors attendez, je vais essayer d'afficher. Non, c'est pas ça que je voulais. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça au moins j'ai le rétro. Je vois quelque chose s'il y a quelqu'un derrière. Parce qu'avec l'autre rétro qui est en haut, là, le rétro d'origine, je n'y vois que dalle. Tenez la gauche. Ouais, donc je disais, le bruit du moteur là quand on est à fond, ça fait des boum 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 boum. Non? C'est mes oreilles ou? Et ce bruit rengaine là me stresse, moi. Chaleur entre 30 et 40 lundi mardi, ah d'accord. Après, ça dépend de quel patin, dans quel coin tu es. Et moi, toi, je suis dans le nord, là, de la France, et nord-ouest. Et bon, on a eu chaud, là, le début de la semaine, on a eu chaud. Mais depuis hier, ça va, c'est bien. Il fait beau, hein, il y a grand soleil et tout, la totale, quoi. Mais il fait beau, quoi. Il fait pas chaud, ça va, on est bien. Ouais, salut, salut, excuse-moi. Tant que je trouve mon bouton, t'es parti. Ah, c'est prévu pour toute la France, ah, d'accord. Bon, bah écoute, si on a une bonne raison pour boire un coup, hein, on va le faire, hein, écoute. Hein. C'est pour la santé. Hein. De l'eau, ah bon? Ah, c'est de l'eau qu'il faut boire? Ah, ok. Par contre, voilà, c'est ça le défaut, moi, je trouve, de Truckers MP. Bah voilà, on a des routes vides. Tristes. On se sent tout seul, abandonné. C'est comme ça. Il y a un routier abandonné, tout seul. Tenez dans mon bus. Droite, puis sortez à droite. Heureusement, il y a mes passagers qui sont là, parce que sinon, ah, en plus, ça me fait du mal et tout. Sortez à droite. Il est triste, personne sur la route. Même mes passagers, ils flippent, ils croient que je les emmène dans un coin chelou. Ah, c'est dur, la vie de routier, bus, la vie de carrier. Ouais, comme on dit. On dit pas un routier pour eux, quelqu'un qui conduit des autocars. Aïe! Et voilà! Et voilà! Non mais... Allô quoi? Papicoulas? C'est quoi Papicoulas?
Voilà. T'as vu MVTT, l'état de mon nez maintenant, à force de me prendre des coups de poing, ce que ça donne? C'est beau, hein? T'es content? T'as vu la tronche que j'ai? Déjà que d'origine, faut dire ce qu'il y a, quoi. Mais alors maintenant, comment tu veux que je m'en sorte? Faut pas pleurer. Ah mais tu crois qu'en mettant des coups de poing, ça va aller mieux? Eh ben d'accord. Alors que tu peux me faire des câlins aussi, hein. Il y a la commande câlin qui existe, hein. Tape point d'exclamation câlin, espace et le nom de la personne à qui tu veux faire un câlin. Ça aussi, ça existe, hein. Ah, ça veut dire papy cool et classe, papy coolasse. D'accord. Ah bah c'est gentil alors. Bah merci. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Par contre, j'ai remis le t-shirt là pour faire le live, mais c'est chaud là. Ah, merci Continuous. Moi aussi, je te fais un câlin. Attends, tiens, il y a un parking là, hop. Je m'arrête deux secondes. Je vais juste remettre le ventilateur en route là parce qu'il fait une chaleur. C'est horrible. Je reviens. Ne quittez pas. Lépreux. Donc, personne derrière. C'est reparti. Allez, si on enlevait le frein, ça serait mieux. Par contre là, ça va être un peu compliqué, non? Attends, on va essayer de profiter qu'il n'y a personne derrière, justement. Hop là. Excusez-nous, monsieur, dame. Le chauffeur a été faire un besoin urgent. Hein, ouais, ouais, ouais. Ah ben non, Continuous, tu vois. T'as eu tort, Continuous. Tu m'as pris pour plus gourmand que je ne suis. Oui, mais ça sera tout à l'heure. Je peux le dire. Faut attendre un peu. Et GG level up, je lis. Tu es prince de level 104. Sortie. Sortez maintenant. Merci pour Julie. C'est mérité. 104, hein. C'est le top 1. Il est top 1 sur le live. Hein. Regardez en bas votre classement. Il y a les trois premiers hein, qui sont sur le podium et puis il y a le classement. Hein. Regardez, vous êtes combien vous? Enfin, sinon, vous pouvez taper point d'exclamation rang. Vous le saurez directement. Ah, il y a du monde derrière nous. Sortez maintenant. C'est un camion. Et bim! Et voilà! Un level de plus! C'est vrai. Moi je dis GG, je lis. GG. Voilà. J'ai peut-être un peu abusé sur les GG là, non? Prenez la deuxième sortie. Peut-être que j'en enlève 2-3 quand même. Ça en fait beaucoup. Hein. Sortez maintenant. Et GG Continuous, tu passes level 9. Ah non, tu es level 9. Tu es voyageur. Alors je crois que le level il monte tout seul jusqu'au level 15. À partir du level 15, il y a des annonces. C'est bien, ça avance Continuous, tu vois. Lui aussi a été voyageur un jour. Toi maintenant il est prince. Il est en route pour être roi. Hein. Je crois que c'est 109 pour être roi, je crois. Je sais plus. Tu veux pas taper point d'exclamation rang, s'il te plaît? Pas de point d'exclamation titre au pluriel. Ou point d'exclamation noblesse, ça marche aussi. On voit les différents titres. Ah. Même pas il dit bonjour, rien l'autre, sous prétexte que je suis un bus. Sectaire! Il est sectaire, je vous le dis.
Ah voilà, alors le roi c'est level 106. Bah tu es roi alors, non? T'étais combien, je lis? T'es combien toi? T'étais roi? Je lis, t'es passé roi? Vas-y, vas-y, tape point d'exclamation grand. Eh ben t'es pas 106 là. T'es combien? Ah t'es 104, ah d'accord, ok. Ah oh, oui, un petit joueur, quoi. Petit joueur. Ok. Bon, l'avantage de ce bus-là, c'est que les... Comment ça s'appelle, justement, les radars, là, ça passe, hein. Tranquille, hein. Comme la voiture, ouais, c'est vrai. C'était ma première voiture, ça, Factel. Une 104 Peugeot. Ah, c'est pas rang alors, je sais plus c'est quoi. C'est peut-être rank, je sais plus. Allez tout droit. Il y a tellement de commandes à la fin, je suis perdu. Une 104A, alors je sais plus c'était quoi. Non, ça devait être une Z, ouais, ça devait être une Z, 104Z. Je lis, il l'a connu aussi, alors si tu t'en souviens, je lis, tu peux le dire, mais je crois que c'était une Z. Ah, c'est point d'exclamation level, voilà, c'est ça, t'as raison. Ouais, donc tu es princesse... Prince, pardon. Oups. De level 104, ouais, ouais, c'est ça. T'as encore deux levels à faire avant d'être roi. Ça se mérite, hein, le roi. Et après, en route pour l'empereur, hein, je crois, hein, c'est ça. Je sais pas, je peux pas remonter le chat, mais si vous remontez le chat, je pense que c'est empereur, à propos. Hein. Ton grand-père en a une. Eh ben... Moi, elle a mal fini. C'était ma première Allez, voiture. J'avais à peine 20 ans. J'ai fait le service militaire avec. Elle a pris cher. Ou elle a pris cher. Une tout-terrain à trois portes avec le bout qui se dévisse. Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est vrai qu'elle elle a pris cher. On a dansé sur le toit. Après, elle avait le toit qui était complètement bombé. Dès qu'il pleuvait, ça faisait une flaque d'eau et tout. Elle a... Oh, oui, la pauvre voiture. Tu roules en AMI 8. Ah, excellent! Tenez la droite. Excellent. L'autre fois, j'ai croisé une 4L. Ça m'a fait kiffer. Sortez. On ne voit plus beaucoup maintenant. J'ai croisé une 4L. Recalcul. Et les deux chevaux, on en voit encore assez souvent. De temps en temps, quand même, on en voit. Quand je dis assez souvent, on n'en voit pas tous les mois non plus, mais on en croise quand même. Mais les 4L, quand je l'ai vu, plus, elle était toute belle, toute propre, hein. En bon état. Je me suis fait la réflexion qu'on en voyait rarement. Et la Mi 8, ouais, je vois bien c'est quoi la Mi 8. C'était juste après la Mi 7. Oh, putain, excusez-moi. J'ai honte. C'est honteux. Ouais, je sais. Par contre, je sais pas pourquoi la petite fenêtre là qu'il y a au-dessus de moi. Ah bah non, elle est plus au-dessus de moi, elle est là-bas. De Debus World, là, je sais pas pourquoi, maintenant, il me dit pas que je dois aller, à quelle heure je dois aller jusqu'à... à mon prochain arrêt. On y va, hein, c'est tout. Tu sors, c'est ça. Il y a des petits smileys, tu sors, je lis, tenez si tu veux. Droite, tu peux t'en servir. Sortez à droite. Toi, t'es... En plus, t'es sub, alors tu peux. N'hésite pas. J'ai eu des deux chevaux. Sortez à droite. Une BX, ah oui! Un combi T3. Oh, excellent aussi ça! Ah oui, t'aimes bien les vieux modèles, on va dire. Je parle des voitures. Bon, on va dire que les viewers aussi, a priori. Dans ton village, j'ai 4 4L par jour. Ah bah dis donc. Oui, oh, c'est bon, je lis, ça va. Je sors, c'est bon. Ah, t'es sur téléphone, monsieur. Monsieur Slapette, il regarde les lives sur son téléphone. Tout ça pour dire qu'il a un bon téléphone. Moi, je peux pas regarder les lives sur téléphone. Mon téléphone, il dit nope.
T'es au boulot? Ah bah oui, mais alors voilà, n'importe quoi aussi. Quelle drôle d'idée. Mais t'as pas travaillé hier en plus. Alors t'as fait le pont un jour où qu'il y avait du boulot le lendemain, ça s'appelle pas un pont, ça, ça s'appelle sécher. Ouais, c'est ça en vérité, il est dans la piscine avec un cocktail, voilà, puis il regarde le stream comme ça, là, peinard, hein. Ah! Oups. Ah, excusez-nous, tout va bien, dormez, dormez. Putain. Oh putain. Salut Rock Fox, Au bienvenue. point, prenez la deuxième sortie. T'as arrêté un bus avec ta tête? Quand j'étais petit. Quand j'étais petit, oui, c'est arrivé. Une fois seulement. Sortez maintenant. Ah, tu bossais hier, je lis? Ah bah d'accord. Ah bah d'accord, bah écoute, je croyais que tu n'avais pas bossé. Moi, ça fait 3 jours que je bosse pas, on s'y habitue, hein. Bon, mais là, il me fait faire un truc bizarre, là. Parce que, regardez, quand on regarde le GPS, il me fait partir loin et revenir pour aller en face. Est-ce que je peux pas gruger le truc? Je vais essayer de gruger le truc. Au rond-point, prenez la première sortie. Je vais pas prendre la première sortie, je vais prendre la deuxième. Sortez maintenant. Non, je vais sortir maintenant là. Recherche d'un nouvel itinéraire. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Ah ouais, il t'exploite, hein. C'est vrai, je lis, hein. Je suis d'accord, hein. Pauvre. Ah oui, mais non, parce qu'en fait, c'est en dessous. Au rond-point, prenez la quatrième sortie. Ouais, c'est en dessous que faut que je passe par en dessous. D'accord. C'est là, non? Ah bah si, c'est peut-être là. J'y vais, on va voir. Hein. Recherche d'un nouvel itinéraire. Ah oui, mais non, c'est parce que je vais tout simplement rater le bus. Je vais rater l'arrêt de bus si je fais ça. Ah bah oui, mais non. Oh, faut que je recule. Ni vu ni connu, personne ne m'a vu. Oula, puis là, on y voit vraiment pas grand-chose. J'ai compris pourquoi il me faisait faire Réorientation. un détour. Recalcul. Parce qu'en fait, il m'emmène à l'arrêt de bus, quoi, tout simplement. Au rond-point, Allez, avance. prenez la quatrième sortie. Papy, t'es dans quelle région? Je suis au nord-ouest, on va dire. Nord-ouest de la France. Je donne pas plus de détails, ça suffit. Bon, voilà, on va écouter le GPS. De toute façon, Sortez le maintenant. GPS a toujours raison. Je le sais pourtant, je le sais. À chaque fois que je vais être plus malin que mon GPS, à chaque fois, ça me joue des tours. Et Au monsieur a pris rond-point, son après-midi prenez alors la que moi non. Bah troisième ouais, c'est sortie. l'avantage d'être le boss. C'est ça, je dis. À défaut d'être boss du live au-dessus de moi, là, bah, lui, il est boss de Sortez sa boîte. maintenant. Voilà. Ni vu ni connu. On est bien, il ne s'est rien passé, tout va bien. Résonne. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je suis un gamin. Je suis un gamin, j'ai pas rien. Tenez la droite, puis sortez à droite. D'accord. Bonjour monsieur. Ah, collègue Sortez à bus. droite. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Hop. Bon après c'est sympa cette façon de jouer, ça change un peu quoi. Ça change un peu. C'est cool, j'aime bien. Ça serait bien qu'ils nous sortent un jeu comme ça, aussi bien que Road Truck Simulator, mais avec des bus, comme ça serait cool. Bon, mais là, je veux dire qu'il faudrait rajouter des... Alors tu peux faire tes propres voies, tes propres lignes. J'ai pas essayé, mais normalement tu peux faire tes propres lignes et puis Au rond-point, je prenez crois que la tu peux faire première jusqu'à sortie. 10 arrêts de bus.
Donc un à l'arrivée. Sortez maintenant. Un au départ et un à l'arrivée. Et du coup, tu peux avoir 8 étapes. Tenez la gauche. C'est pas mal. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Ouais, ouais, ça travaille. Allez même la nuit, droit. Hein. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. J'ai du mal à prendre les virages comme il faut sans prendre ou trop large ou trop serré. Préparez-vous. J'ai pas encore à tourner trouvé à le bon gauche. Gabarit. Nous sommes à Limoges. Tournez à gauche. Tenez la droite. Oui. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Sortez maintenant. Hop. C'est ici. Ça doit être la sortie. J'imagine. Par contre, l'entrée, attends. Voilà. Et c'est là-bas, monsieur, dame, nous sommes arrivés. Veuillez réveiller vos petits collègues à côté de vous. Et comme dit précédemment, n'oubliez pas le pourboire au chauffeur avant de partir. Nous espérons que vous avez fait un beau voyage. On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes. Bonjour chez vous, à bientôt. Limoges. Limoges. Personne descend, il n'y a que du monde qui monte. Ah ben non, bah. Tout ça parce que je leur ai dit de pas oublier de faire le petit pourboire en partant. Du coup il dit ah ben non, moi je reste. C'est moche, c'est moche. Ah oui aussi quand on joue dans la version en local, on voit pas les petits personnages. Montpellier. On va à Montpellier, ouais. Oui, quand on joue avec la version en local, on voit pas les petits personnages monter dans le bus et tout ça. Il n'y a pas l'animation. C'est dommage. Bon, en gros, la version sur Truckers MP est un petit peu plus aboutie, quoi. Seul défaut, c'est qu'il n'y a qu'un bus. Ouais, je reviens à ça. C'est vraiment très dommage, quoi. Oh, ça va la musique, là? Mais l'autre, on s'entend plus, là, d'un coup, là. Parce qu'il lui a pris là. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Oui, surtout des messieurs d'ailleurs, hein. Non? Attendez. On va aller voir ça avant de partir. Zut, j'ai dit, c'est ça. Là, il y a un monsieur, deux messieurs. Il n'y a que des messieurs. Il n'y a que des messieurs. Quentin, on tape pas les chauffeurs. C'est mal. Il n'y a que des messieurs. Ouh, t'es tout près, toi. Il n'y a pas de dames. C'est bizarre, ça, non? Alors, c'est peut-être parce qu'on voyage de nuit, mais... C'est bizarre, moi, je dis. Oh, j'ai mal au nez. Il va falloir que je demande à Twitch une prime de risque. Regardez, vous comprenez, sortez je me fais maintenant. Fouetter, je me fais taper. Tenez la droite, puis tournez à droite. Des fois, les viewers, ils prennent ma cam et ils l'envoient balader tournez aussi. Donc, non. Hein. Moi, je...
Je ne peux pas assumer ça sans une prime de risque. Je vais le dire à Twitch, on va voir. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Hop là, c'était là. Ce serait bien qu'ils trouvent une solution pour nous mettre de la circulation. Allez tout droit. Ce serait beau. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Ouais, j'y vais. Salut mec. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Sortez maintenant. Quelle maîtrise totale. Oh, c'est gentil, ça continue. Oui, je comprends quand on me fait des câlins. En fait, tu fais le chaud et le froid, hein, c'est ça. Un coup un câlin, un coup un coup de poing, un coup un câlin, un coup un coup de poing, c'est ça. Je t'aime, moi non plus, je t'aime, moi non plus, voilà, c'est... J'ai bien compris le principe. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Faut pas mettre d'accent circonflexe, REM VTT. Ouais, les fautes sont obligatoires sur ce live. Faut le savoir. C'est point d'exclamation câlin sans accent. Mais le cœur y est, c'est pas grave. Moi aussi, je te fais des câlins. En tout bien, tout honneur, hein, ça, on est d'accord. On est d'accord, hein, je veux dire. Câlin d'amitié, non. Pas de cinéma, pas de ça entre nous. Ah, voilà. Tenez la droite, puis sortez à droite. On voit que dalle. Sortez à droite. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Donc à force d'être sous le ventilateur, j'ai réussi à attraper froid. Elle est bonne quand même celle-là, non? Ton chien te lèche les pieds? Ok, continue. À droite. On est content de le savoir, hein. Après, ça va, il les lèche. Il serait en train de les mordre, ça serait moins sympa. À droite. Hein, ah, c'est là qu'on tourne, pardon. Autant. Vous avez trouvé un point d'intérêt, il est où? De toute façon, il fait nuit noire. Ah, il va être en face. On va essayer de le voir, mais il fait nuit noire, on va voir que dalle. Que chi, walou. Alors, messieurs, dames, vous pouvez constater qu'à votre droite, il y a un truc sympa, à votre gauche aussi. Mais comme il fait nuit, on ne voit rien. Et j'enlève même la cam. Et beau. Quel joli bus. Quel joli car, pardon. Ouais, je pense qu'en plein jour, ça doit être joli. J'imagine. Là, j'avoue que c'est un peu... C'est surfait. Salut Jacob, bienvenue.
Jacob, on était en plein extase. Oh là là, non mais. Ça va, Jacob? T'es dur avec moi, hein? Tu fais une entrée fracassante, on va dire. En forme? Comment allez-vous bien? Ça fait plaisir, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas croisé en live. Ah si, l'autre fois sur le live de foule. Bon bref, le point d'intérêt, la nuit, c'est nul, quoi. Hein, pour... T'as vu, Jacob, c'est mon bus. Il est beau, hein, il est beau, hein, il est beau, hein. T'as vu, il est beau, hein, hein, il est beau, hein. Enfin, il est là. Oh, il est beau, hein. Oh, il est beau. Hein. Hey, salut Unité X Papy! Bienvenue ici. Oui, mignon, tous ces cœurs. Moi aussi, j'envoie des cœurs. Attends, attends, moi aussi, j'envoie des cœurs. Voilà. Yes. Bon, allez, hop. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on est en bus, on fait des. On, ben, on transporte des personnages. Pourquoi j'ai le nez qui a explosé comme ça, moi? Depuis tout à l'heure, j'ai le nez comme ça. Et on va de Limoges à Montpellier, là, tout de suite. Non, mais ça va pas, non? J'avais pas vu que j'avais le nez explosé comme ça, moi, depuis tout à l'heure. Ah, voilà. T'as vu, parce qu'ils m'ont tapé, hein, Jacob. Ils m'ont tous tapé, ils m'ont fait du mal. Aïe, voilà, Pactel. Il y avait Jacob, il me met des coups de poing. Il a m'aidé, Pactel. Maintenant que t'as level up, tu es explorateur level 24, t'as le droit de m'aider. Allez, donc, hop là, il y a du monde, là. Allez, c'est parti. Donc, on fait pas trop de bruit, hein, parce que les gens dorment dans le bus, quand même. Faut que je passe en dessous, là. Non. Ah non. J'ai eu peur. Papy, le bus est beau comme ta barbe. Je sais pas si c'est un compliment. Je sais pas. Ouais, t'as un gros nez, je me disais bien. Bah ouais, mais c'est parce qu'ils arrêtent pas de me mettre des coups de poing, Unité X. Ils sont méchants, enfin, ils sont méchants. Peut-être que je le mérite, hein, je sais pas, hein. D'accord, je suis déjà en plein phare là. Ok. Faut que je fasse faire les réglages quand même. Hein. Bon, il y a quand même encore un papy sur le live en plus de moi. Hein. Donc c'est le moment de lâcher les team papy, les gens. Unité X Papy, avec moi, Papy Chuck. Team Papy, quoi. Il fait tout noir. Moi, j'ai peur dans le noir. Ah, c'est un compliment? Ok, d'accord. Bah merci, continue alors. Alors peut-être que le paysage est beau, hein. On ne le saura jamais. Hop là, t'en jailles pas, Chuck, t'en jailles pas. Mais ça tourne quand même un peu beaucoup, hein. Bah dis donc, continue, si t'aimes bien les câlins, hein. Ah non, tu peux faire qu'un câlin qu'à une personne à la fois, quoi. Ah non, parce que sinon c'est dégueulasse. Ah non, ah non, on fait pas des câlins multi-personnes. Ah non, pas de ça ici, monsieur. Ou tu me fais un câlin à moi, ou tu fais un câlin à Unité X Papy, ou alors l'un après l'autre. Mais pas les deux en même temps. Non, non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Hein? Non, mais oh.
Ouais, ça commence comme ça, puis ça finit en partouze. Alors non, pas de ça ici. Aussi, le truc, c'est qu'on sait pas... Donc là, je vois, par exemple, qu'il me reste 600 bornes à faire pour arriver à mon dernier arrêt de bus. Donc pour arriver à... C'est où qu'on va ? À Toulouse. Par contre, l'arrêt de bus où on va, là, à Montpellier, ben, je sais pas quelle distance il est. Ça aussi, c'est dommage. Alors, il faudrait que dans l'application Busworld, ils l'affichent, parce que je pense que dans le jeu, ils peuvent pas l'afficher, ça. Mais dans l'application Busworld, peut-être qu'ils pourraient récupérer les infos du jeu et puis l'afficher, je sais pas. Ah, Jacob. J'ai mal, Jacob. J'ai mal. Alors, Unity X, si toi aussi, tu veux faire des câlins, tu tapes point d'exclamation câlin, espace, et le nom de la personne à qui tu veux faire un câlin. Et voilà. C'est beau, hein. C'est que l'amour. Sinon, tu peux aussi mettre des coups de fouet comme Jacob. C'est une autre façon d'aimer. Hein. Prenez la deuxième sortie. Bon, sinon, je sais pas, vous en pensez quoi, donc, de cette manière de jouer, là, c'est assez cool, non? C'est bien, moi, je trouve, non? C'est mieux les coups de fouet, d'accord, Jacob, bah, écoute, hein. Vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. T'en prie. Je suis là pour ça, hein. Oh. Allez tout droit. Oupla, oui, ça tombe bien, tiens, qu'il y ait une pompe à essence, là, parce que j'ai mes batteries qui sont presque vides. Oui, parce que je suis sur un bus électrique, les gens. Je vous le rappelle. Un bus électrique qu'on recharge au gasoil. Okay, oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais ça marche bien, ça marche bien. Aïe. Voilà, tous ces points de chaîne dépensés alors que tu pourrais avoir des papy girls, des trucs comme ça, mais non, tu préfères me fouetter. C'est moche. T'es de l'aube? Comment tu sais ça? Le réservoir est plein, ok. Ah, parce qu'il y a le 10 derrière son pseudo. Et 10, c'est le numéro de l'aube, peut-être? Alors, j'en ai absolument aucune idée, hein, c'est... Je suis trop nul en géographie pour savoir ce genre de choses. C'est juste que je soupçonne que ça soit ça, la raison. Oui, c'est ça. Ah, ah. Alors, je sais que les numéros des départements, c'est donné par ordre alphabétique. Donc, effectivement, Aube, c'est dans les premiers. Ça va pas être le 90, quoi. Salut. Merde, bah, le temps que je klaxonne. Je voulais lui faire des appels de phare, mais le temps que je trouve comment faut faire, c'était mort. Voilà. On va faire un petit coup de klaxon, quand même. Tu vas peut-être entendre. Hein, on croise quelqu'un d'autre, là. Salut. Un autre bus, en plus, tiens. Jacob, t'es un monstre. Continuous. mais non, t'inquiète. C'est sa façon de m'aimer, Continuous. Allez tout droit. Ah, donc le 10, ce n'est pas son département, alors. Je sais pas pourquoi t'applaudis, mais merci. Moi, je prends tout,
C'est mieux un Buzzel, le joli bruit du masque. Bah oui, mais en fait, Jacob, il n'y a pas le choix. Comme j'expliquais en début de live, si t'avais été là... Le mec qui approche. Non, c'est faux. Mais comme j'expliquais, je vais juste répéter, c'est pas grave. Comme j'expliquais donc en début de live, pour pouvoir jouer avec les bus, là, il faut installer une petite extension qui s'appelle Debus World. Tu crées un compte chez eux, tu crées l'extension, voilà. Enfin, tu télécharges l'extension et tu l'installes. Et après, du coup, l'appli s'interface avec le jeu pour te donner des missions, aller chercher des passagers et les déposer ailleurs. Sauf que si tu joues avec ça en local, c'est super sympa. Tu peux avoir plein de bus différents. Le seul défaut, et pour moi, c'est trop gênant, c'est que le GPS ne se met pas à jour. Donc, c'est à toi de savoir où tu vas. Et surtout, il faut trouver les arrêts de bus en ville. Et moi, les arrêts de bus, ils sont pas écrits sur la map. Hein. Enfin, c'est un petit carré, quoi. Il faut savoir que c'est un arrêt de bus. Et si, faut les retenir, tout. Et donc, c'est bien dommage. Du coup, moi, ça me gêne pour jouer en local, je peux pas. Par contre, quand on joue sur Truckers MP, parce que tu vois, là, on est sur Truckers MP. J'ai, tu vois, la petite fenêtre, là, c'est tous les joueurs qui sont à côté de moi. C'est-à-dire personne. Quand on joue sur Truckers MP, le jeu lui prend, Truckers MP prend à sa charge le fait de mettre le GPS à jour, et en plus accessoirement il y a des petits personnages qui marchent, qui rentrent dans ton bus, qui sont assis. Voilà, si on regarde, bon bah là il fait nuit, on voit pas. Oula, là il fait nuit, on voit pas, mais il y a du monde dans le bus et tout, c'est plus immersif, on va dire. Mais dans Truckers MP, le GPS se met à jour, etc. Sauf que dans Truckers MP, il n'y a pas le choix. Il y a un seul bus de disponible pour l'instant, et c'est ce bus-là, un bus électrique. Donc, c'est dommage. J'espère qu'il y en aura d'autres plus tard, mais voilà pourquoi ceci, cela. C'est titre avec point d'exclamation, titre avec un S. Continuous, voilà. Donc, en fait, Continuous, pour t'expliquer le principe, c'est quand tu viens sur le chat... Quand tu es présent et que tu... Quand tu es présent, tu gagnes des points. Quand tu participes sur le chat, tu gagnes aussi des points. Et comme ça, ça fait monter ton level. Et en fonction du level que tu es, tu gagnes un grade, un titre. Donc tu commences à voyageur. Après, quand tu es level 15, tu es explorateur. Puis quand tu es level 27, tu es écuyer. Après, chevalier, seigneur, prince, roi, légende. Prophète, et à la fin de la fin de la fin, level 200, t'es Dieu. Alléluia. Et pour l'instant, le plus haut level, c'est Jli qui est prince. Après, derrière, il y a James qui est prince aussi. Il y a Céline qui est princesse. Et sinon, je crois que c'est tout. Ah, sinon, on a quelques seigneurs ou seigneuresses. Donc, il y a des places à prendre. Il faut venir régulièrement et il y a des places à prendre. Que ça ne sert absolument à rien, ces titres, c'est donc indispensable de les avoir, on est bien d'accord. Ah, attends, désolé du retard, attends, je peux pas lire là. Le PC est blindé en musique pour le taf et de différents logiciels. Donc le PC se transforme en tracteur. Ok. Bah dis donc, t'as dû en mettre quand même. Non mais t'inquiète, de toute façon, Jacob. Je plaisantais tout à l'heure, je plaisantais. C'est très bien, tu viens quand tu veux, si tu veux. Il n'y a aucun souci. Et donc, Continuous, pour finir de t'expliquer les trucs du live aussi, toi, au-dessus de moi, là, il y a ce qu'on appelle le boss du live. Et donc, le boss du live, tu vois, il a une petite barre de vie qui, alors, descend quand il y a un follow, qui descend quand il y a un don, qui descend quand il y a un don de bit, et c'est tout, je crois. Et par contre, si lui fait un don ou fait un don de bit, la vie remonte, d'accord. Et en fait, pour devenir boss du live, à la place du boss du live, il faut tuer le boss du live. C'est-à-dire que quand si c'est toi qui le mets à zéro, tu deviens boss du live à sa place. Pareil. Ça ne sert à rien, c'est donc indispensable.
400 gigas de musique, eh ben, t'as quelques heures d'écoute là, Jacob. T'es tranquille. Tu peux aller faire la fiesta. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon camion? C'est quoi ces voyants? Erreur interne écu. Je peux regarder la map là. Une fois un garage répa. À Montpellier, il y en a un. Ouais, on va aller au garage répa. Je vais faire ma livraison. Je vais déposer les gens, pardon, et après j'y regarderai pas. Faites-y moi penser, s'il vous plaît. Hein. Surtout, faut pas que je rate. J'avais pas vu ces petits voyants là. Ah, puis ici aussi. J'ai peut-être un peu trop ripé, non? De temps en temps. 18%, ouais, ça commence à taper un peu. C'est peut-être ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les gens que Continue s'y connaît pas sur le live, là, il y a tellement de choses, moi à la fin je suis perdu. Bon, tu feras certainement connaissance avec les Papy Girl un jour. Oh, oh. Ouf. C'est pas bon ça, hein, c'est pas bon. En fait, je vais peut-être aller au garage répa avant de réparer, avant d'aller faire ma... avant d'aller prendre les gens. Quand même, mais encore loin en plus, hein. Il est encore loin. C'est parti. Donc, oui, sinon, bah, t'as vu les points de chaîne, hein, Continue, hein. Avec les points de chaîne, tu peux t'amuser à me torturer. Tu peux jouer avec ma cam. Point. Prenez la première sortie. Ou la déplacer, ou alors faire des effets de cam sur ma tronche. Hein, encore un moyen de me ridiculiser, quoi. Voilà. Et puis, puis les papigueurs, voilà, c'est tout. Hein. Je sais pas, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Si j'oublie des choses, ça viendra au fur et à mesure. La primaude. Allez tout droit. Ok, ok, ok. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Pas de compliment. Sortez maintenant. Allez tout droit. Plein phare là, ouais, dans la vache. Ah, ils éclairent pas terrible les plein phares. Mais c'est vrai qu'avec les camions, en général, ce que je fais, c'est que je mets une rampe de phare au-dessus du camion. Comme ça, quand je mets les plein phares, ça arrose, on y voit comme en plein jour ou presque. Ah, là, on peut pas, là. Qu'il y a plein, je regarde sur le GPS là, donc il est là-bas. Allumer le feu, les phares. je regarde sur le GPS, je vois qu'il y a plein de petits endroits où je suis pas allé. Hein. Faudrait qu'un jour je fasse tout ça. J'aimerais bien réussir à faire le succès 100% de la map. Après, j'arrête pas de rajouter des maps et tout, la promode et tout. Bon, quoique là, il n'y a pas la promode là. J'ai désactivé la promode pour pouvoir faire du bus. Donc on est sur la map d'origine, quoi. Avec tous les DLC quand même, mais d'origine. Il y a déjà de quoi se balader, mine de rien. Bah, le prochain DLC qui était prévu, c'était la Russie. Je sais pas si ils l'ont mis en stand-by ou pas, si j'ai pas une nouvelle. Ils
Sinon, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ATS aussi en Amérique là. Allez tout droit. Donc je pense que je vais y refaire un petit tour bientôt. Ça me taraude depuis quelques temps là. Je l'ai relancé l'autre fois d'ailleurs. J'ai dû faire une livraison ou deux. Bon, sur ATS, j'ai pas tous les DLC, il m'en manque un. Préparez-vous. Il y a déjà de quoi se balader. Ouh là là, à chaque fois ça me fait peur quand ça s'éteint. Il y a déjà de quoi se balader quoi. Tournez à droite. Même avec le DLC, c'est quoi? C'est Wyoming qui me manque. Et même avec sans le Wyoming, quoi, il y a de quoi se balader. Bon, il faudra que je le prenne, un de ces quatre. Un jour où il sera en promo. Je crois qu'il y en a un autre qui doit sortir aussi, mais sur American Truck Simulator. Je sais plus c'est lequel. Mais quand un nouveau va sortir sur American Truck Simulator, sûrement que le Wyoming va baisser en prix, je pense. Je sais pas, on sait rien. On verra à ce moment-là, quoi. Bon, après, comme j'y joue beaucoup moins qu'à ETS, je suis moins pressé, quoi. Enfin, ça se voit, en général, quand il y a un DLC qui sort sur ETS, si je l'ai pas des one, c'est que j'essaye d'être patient, mais ça tient pas la semaine, quoi. Il est où ton niveau de batterie? Bah, c'est le niveau d'essence, Jacob. De gasoil. De manière RP, on dit qu'on va recharger à la pompe à essence, mais en fait, comme il s'appuie sur le moteur du jeu de ETS, c'est du diesel, quoi. Dommage, on passe sur des bons endroits, super jolis et tout, mais on voit rien parce qu'il fait nuit. Pareil, ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse écrire ce qu'on veut là-haut, là. Bluebus 12M, là. On puisse taper, pouf, on écrit ce qu'on veut, ça serait cool. Sinon, local, je me suis fait un Flixbus, là. Il est tout joli, tout vert et tout, et il a une belle gueule. On dirait un vrai, presque. Je voulais me servir de celui-là, parce qu'au départ, je voulais faire le live en le faisant en local, quoi. Mais franchement, je m'en sors pas avec le GPS, c'est une galère. Faut se téléporter, donc avec les commandes de dev, faut se téléporter de ville en ville pour pouvoir mettre les points sur le GPS et après revenir au bon endroit. Et même si tu fais ça, des fois tu trouves pas quand même l'arrêt de bus, quoi. Donc ça m'a gavé. Surtout que les coordonnées, ils sont normalement l'extension des bus World là. Donc il suffit de les prendre, les copier-coller, puis s'y téléporter. Mais il y a des fois je me retrouve sous la map. D'autres fois. Je suis bien arrêt de bus, mais quand j'ouvre mes portes, le truc il prend pas en compte et il considère que je suis pas au bon endroit et tout. Parce que c'est pareil en local, là, quand on arrive là, vous avez vu, il y a un emplacement qui est délimité et il faut que je m'arrête à cet endroit là. Puis sortez à droite. Quand on joue à local, il n'y a pas d'emplacement de délimité. Donc tu sais pas si t'es au bon endroit ou pas, ça joue au centimètre près. Hein, donc c'est un peu plus casse-pied en local. C'est dommage, hein, c'est dommage. Mais là, ils ont. Enfin. Truckers MP, ils ont assuré. Et ils ont eu raison parce que je pense qu'avec le fait qu'il y ait eu du multijoueur qui soit sorti sur le jeu, que maintenant il y a un multijoueur dans le jeu qui a plus besoin de Truckers MP pour jouer en multi, qui en plus peut se faire avec de la circulation et en plus avec des mods, tout ce qu'on n'a pas dans Truckers MP, je pense qu'ils ont dû perdre pas mal de joueurs. Moi le premier. Franchement, j'y allais plus. J'y allais que pour faire du Pro Driver, et puis depuis que ma boîte de Pro Driver elle a fermé, ben j'en faisais plus, quoi. Et du coup, ils ont eu raison d'aller essayer de trouver autre chose, un autre intérêt. Ils ont bien fait, quoi. Tenez la droite, puis sortez à droite. Non, je sors pas, tu me fais sortir pour rentrer. Ça va, je te connais. Sortez à droite. Calcul d'un nouvel itinéraire. Donc c'est une bonne idée qu'ils ont eu de pouvoir ajouter les bus, effectivement.
Après, faut aller au bout des choses. C'est très bien parti, là. Enfin, de mon point de vue, hein, je donne juste un avis. Hein, c'est pas la réalité vraie, c'est juste mon avis et mon point de vue. De mon point de vue, c'est très bien parti. Ce qu'il faudrait tenez rajouter, c'est qu'on puisse mettre d'autres bus. Tourner à droite. Ça serait pas mal. Et puis ça sera nickel. Ça sera excellent. Tourner à droite. Après, bien sûr, tu peux pas faire ça avec un compte où t'as pas d'argent, quoi. Parce que comme tu gagnes pas d'argent sur dans une game en faisant ça, ben du coup, si t'as pas d'argent, t'es mort, quand même. Salut toi. Oula, mais ils sont combien là? Prenez la première sortie. C'est parti bus. Ouais, c'est parti bus. Ben, c'est quelqu'un qui a dû créer son entreprise. Sortez maintenant. Donc on va faire un tour au garage répar. Tournez à gauche. Ouais, voilà, pour ça, payer les réparations, tout ça, là, si t'as pas d'argent sur le compte, t'es mort. Tournez à droite. Bon, après, il y a plein de solutions qui existent pour se créer un compte je et puis avoir de l'argent. Itinéraire. Hein. Je vous explique pas. Vous êtes bien capable de trouver sur Google comment cheater un compte ETS pour avoir full l'argent. Hop, réparer, allez. Ah, c'est tout neuf. Ça fait du bien. Tiens, tant qu'on est là, je vais vous montrer vite fait les configurations du camion. Donc, on peut avoir... De toute façon, je vais annuler la commande. Hein. Voilà, on peut avoir vitre pas teintée ou vitre teintée. Moi, j'ai mis vitre teintée, c'est plus sympa. Au niveau du châssis, on n'en a qu'un. Au niveau de la boîte, je crois qu'on voilà, on en a deux différents. Alors, je sais pas trop quelle est la différence, à part la puissance, 180 kW, 160 kW. 1800 Nm. De 0 à 1500 tours par minute. Donc, à la rigueur, celui-là va peut-être un peu plus vite puisqu'il est un peu plus puissant. Peut-être, je sais pas. Salut James, bienvenue. La boîte de vitesse, ben, il n'y en a qu'un. L'intérieur. Alors j'ai pas vu la différence. Activia vert teinté. Activia vert teinté et GPS. Ah ben, c'est peut-être sympa ça. Je vais essayer de valider ça, tiens. Réorientation. Ça passe. Hop là, pardon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, à l'intérieur, il y a deux, trois trucs qu'on peut changer. Je sais plus, non, c'est pas là. C'est là. Non, c'est là. Il n'y a pas énormément de choses. Le volant, bah, il n'y en a qu'un. Je sais pas pourquoi ils nous ont mis un truc. Le siège, il n'y en a qu'un aussi. Mais peut-être qu'à terme, on pourra aussi changer. Ouais, je roule en bus, James. On fait du transport de passagers. La porte conducteur, je ne sais pas ce que ça donne. Sûrement vu de l'extérieur, qu'elle n'est pas la même. Puis là, il y a des choses là-haut. Eh, ça fouette, continue. Ok, merci, j'ai bien compris. Tu veux qu'on reprenne? On va pas tarder, t'inquiète. On va rerouler. Là, tu peux changer les éclairages là-haut. Voilà. Et sinon, le bus à l'extérieur, bah, y a les éclairages ici, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le pare-soleil. Ici, voilà, on n'a pas le choix. Eh ben, merci, Jacob. T'as pas de souci. Voilà, on peut un petit peu le personnaliser, mais pas grand-chose. Les roues aussi, mais l'autre fois, quand j'ai personnalisé les roues, j'ai pas pu me connecter. Donc voilà, quoi. En fait, on peut pas faire grand-chose, quoi, pour le modifier. Puis la couleur, eh ben, on peut modifier, voilà. On a ça. Donc, c'est la couleur d'origine. On peut changer. Voilà, on peut mettre la couleur qu'on veut. Hein. On a tout jaune. Ou alors, on a le star. Il est joli comme ça, mais ça, c'est su par défaut, en fait. Mais je le trouve assez sympa. Voilà, et c'est écrit, là. Hein. Objectif 100% électrique. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais voir si... Parce que ça va peut-être planter, les gens. On va voir. On va voir. Parce que là, du coup, j'ai rajouté le GPS. Ah ben non, c'est bon. Donc, c'était peut-être bien les pneus. Comme ça, je vais pouvoir virer ça et ça va faire plus réel. Je préfère, moi, quand il y a le GPS intégré au tableau de bord. C'est peut-être bien les pneus qui me faisaient planter l'autre fois.
Faut que j'allume mes phares. Faut que j'allume mes phares. Ah, carrément en plein milieu. J'allume tes phares, Chuck. Tu vas te faire éjecter. Voilà. Ça va, James? Ça se passe bien les vacances? Préparez-vous à au soleil, à monsieur se dort la pilule. Tournez à gauche. Hop là, feu rouge. Ça continue, il fait des câlins à tout le monde. C'est un câlineur. Mais te moque pas, James, c'est vrai qu'il est au boulot en plus. Il a mis le live sur son téléphone et pendant qu'il dépanne les électroménagers ou je ne sais quoi sur ce qu'il est en train de dépanner, et ben, il nous écoute. Prenez la première sortie. C'est mignon, hein. Sortez maintenant. Bon, donc on va aller maintenant à la gare routière déposer les gens. À gauche. Bon, c'est un petit peu en retard, mais il fallait qu'on répare le camion, le tracteur, l'autocar. Hein. Il n'y avait pas le choix. Hein. 40 degrés, ah oui, il commence à faire chaud là-bas. T'es où là, en vacances, tu m'avais dit? En Ardèche, hein, c'est ça? Préparez-vous à tourner à gauche. Ah, c'est sympa. J'avais bien aimé l'Ardèche quand j'y avais été en vacances. J'avais trouvé ça très joli. Hop là. Ça va être chaud là pour se garer ici, non? Ouais, c'est bon, c'est passé. On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on ouvre tout ce qu'il y a à ouvrir pour que les gens puissent sortir. Montpellier. Montpellier. On a 5 qui rentrent et 2 qui sortent. Des passagers, hein, je veux dire. Hein. Et un picoleur, pourquoi tu sais quoi? Pourquoi tu parles de picoleur? Il est temps d'aller travailler. Toulouse. Allez, le prochain arrêt, Toulouse, ok. Ferme. On ferme. J'ai dit on ferme. Merci. Marche arrière toute. Bah ouais, y a pas de bruit là, si. Jacob. On va couper la musique pour être certain. Elle est où la musique, bon sang? Ah! Excusez-moi, c'est par là que ça se passe. J'éteins le moteur. Non, là je viens de l'allumer. Là je l'éteins. Il y a un petit bruit quand même, il y a un petit truc, hein. Il y a un petit truc, hein. Quand même. On dirait, hein. Et zut, j'ai même pas muté le bon truc. Je voulais muter la musique, j'ai muté une application qui est même pas en route. Bon bah écoute, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Papy, tu envoies le mode, ça intéresse papy. C'est pas un mode, James. C'est un truc qu'il faut rajouter au jeu. Faut télécharger. Faut aller créer un compte sur le site Debus World. Tu télécharges l'application. Et après, dans l'application, tu paramètres pour dire où est installé ton jeu. Dans le jeu, tu prends un bus et puis voilà. Et tu peux jouer. Salut Kimi! Bienvenue, mademoiselle. Comment ça va? Ah, quand j'étais à l'arrêt de bus, il faisait pas de bruit. D'accord. Après, c'est pareil logique. Hein. Effectivement, préparez-vous à tourner à droite.
moteur électrique, quoi. Hein. C'est moche, juste quand je tousse, qui c'est qui me frappe? Continuous. Tournez à droite. C'est moche, hein, je suis malade, je t'aurais remarqué. On tape pas un vieux et encore moins quand il est malade. Bah ça va bien, moi, Kimi, ça va bien, en forme. Tu vois, on est en train de tester le bus. C'est très sympa. C'est très sympa. Qu'est-ce que tu as dit, James? Envoie-moi et je vais me démerder. Oui, bah écoute, je t'enverrai le nom de la... le lien de la... du site web. Après, si tu y joues en local, c'est un peu le caca. Quand il joue sur Truckers MP, c'est assez sympa. Bon, il n'y a personne, il n'y a pas d'autre. Pas de circulation, mais c'est assez sympa. Quand il joue en local, franchement, moi j'ai eu du mal, quoi. Je vais manger une glace. Mais l'autre, il serait pas en train de nous tenter, là? Moi, je vais manger une glace. Tanananer. Sous le soleil de la... pas la Dordogne de... zut, tiens, voilà, ça t'apprendra, je sais même plus où t'es. Non, mais oh. Bon appétit, James. Mange ta glace. Fais-toi plaisir. T'as raison, profite. Je te taquine. Donc, prochain arrêt, Toulouse, les gens. Nous avons 13 passagers à bord. Oh, 13 passagers? Tenez la gauche. Ça fait flipper, 13 passagers. On est 13. Ça veut dire quelque chose, ça, non? Ah, j'ai peur. Arrête, arrête. Arrête la musique, c'est bon. On a compris. Mais pourquoi le GPS, il veut plus, le régulateur, il veut plus fonctionner, là? Mon live, papy, et à plus tard sur Discord. Ok, James, merci d'être passé, c'est cool, ça fait plaisir. Profite bien de tes vacances et à bientôt. Bye bye. Tenez la droite, puis sortez à droite. Bon, et Kimi, tu as essayé, toi, le bus, là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Sortez à droite. Reconnaissant, je pense que tu as dû essayer. Kimi, il est toujours au taquet pour essayer les nouveautés, en général. Par contre, il n'y a que des mecs quoi, qui rentrent dans le bus, là. C'est pas normal. Hein. C'est sexiste. Je mange 4 glaces là en ce moment. C'est abusé quand tu... Là c'est abusé, tu vas être malade. À droite. Une seule aurait suffi. En plus t'as deux mains, deux glaces à la rigueur, mais après t'en es trop. Ah c'est pas la peine de me faire des câlins. C'est abusé, c'est tout. Tu m'auras pas comme ça, continue. Ça ne fonctionne pas. Donc nos voyants là sont plus allumés, par contre ceux-là là sont toujours encadrés, alors je sais pas si c'est normal. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Bon puis quand on va être arrivé, on va se faire une petite pause nounours hein, les gens, parce que quand même. Hein, on peut pas oublier qu'on est quand même dans la team nounours. Hein. Quand même. Bon, je crois qu'on a déjà perdu Kimi. Elle répond plus. Elle est venue, elle a dit bonjour, elle est repartie. Tout bien, ça y est, elle a fait la politesse, c'est le principal, et c'est important la politesse. Bon, du coup, je vois plus combien j'ai de kilomètres à faire là. 130, ok. C'est plus sympa avec le GPS intégré au tableau de bord. Non? Moi je trouve.
tenez la droite, puis sortez à droite. Je peux dézoomer, ouais, ça marche bien, hein, ça marche. Sortez impeccable. À droite. Ah, là, mais je me suis fait avoir. Je suis sorti, mais il va me faire rentrer. Ouais, je suis dans la... je suis sur l'aire d'autoroute, là. J'aime souffler à voir. Ah, il y a du monde. Salut mec. Il a même pas répondu. C'est moche. Hein. Les gens sont mal polis. Bon, c'est dommage qu'on se fasse ça de nuit quand même. Après, on est sur le serveur de Truckers MP et on peut pas modifier le jour-nuit. Hein. Là, c'est le serveur qui gère ça. C'est la nuit pour tout le monde en ce moment même. Hein. Il est quelle heure in-game? 5h43? C'est ça, on est samedi, il est 5h41? 5h40? Pourquoi ça descend? Ou alors il est 1h23? 1h22? Je sais pas, je me rappelle plus c'est lequel... leur IRL et l'heure d'arrivée. Enfin, leur IRL. Leur in-game et l'heure d'arrivée. Tenez la prévue. Droite, puis sortez à droite. Non, t'as pas me la faire cette fois là. Sortez à droite. Je sais plus c'est laquelle. Recherche. Il doit être 5h32. Je ne sais pas. Je sais plus, j'ai un doute. Le doute m'habite. C'est affreux. On est samedi 4h19. Ah non, 5h27, il marque là. Pourquoi tu dis 4h? Ah oui, c'est écrit en haut à droite carrément. Oui, d'accord. 4h22 en haut à droite, ok. Et donc on va arriver samedi à 5h25, ok. Et il reste 1h02 de route. Ok, ça y est. J'ai tout remis en place. Merci Jacob. Ça y est. Ah ouais, moi je savais bien, hein. Je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Hein. Mais je suis plus habitué à cette interface-là, en fait. Vous savez, quand je joue en local, j'ai un petit mode qui met la barre en bas, là, à la place de ce gros carré. Et du coup, de revoir comme ça, je suis tout chamboulé. Donc 4h20, il est 4h26, je crois que le soleil se lève à 5h30, 6h. Donc ça devrait pas tarder, mais on sera arrivé avant. Je dois quitter, bisous. Ok, Continuous, bah écoute, merci d'être passé. À la prochaine, n'hésite pas. Passe une bonne fin de samedi, un bon week-end. Et puis à la prochaine, bye bye, salut. Et il refait un gros câlin, câlin, continue ce câlin, câlin, toi. Je peux pas prendre des câlins, ça le fait pas, ça. Oula, oula, câlin, Chuck. Lâche pas le volant, lâche pas le volant. T'as la vie de tes passagers entre les mains. C'est bizarre, hein, j'arrête pas de boire le Perrier, là. Et j'ai la bouche sèche. Plus je bois, plus j'ai la bouche sèche. Je vais peut-être me faire un petit café, une boisson chaude. Malgré qu'il fasse chaud, ça va peut-être plus me désaltérer. On va faire ça. On va faire ça, les gens. Donc on arrive, on fait notre livraison. Enfin, on laisse les gens sortir, quoi. Hein, ouais, pas comme ça. On va en profiter. Tenez pour se faire droite, une petite pause café nounours. À droite. Et puis après, on va voir si on peut pas se faire une petite dernière livraison. Oh, mais droite. Je veux absolument ça. Un petit dernier trajet ensemble. La pause nounours, c'est important quand même. Hein. Faut pas déconner. C'est la pause syndicale, ça. La pause nounours. Toulouse, la lande. La 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 lande. La 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 lande. La lande. Non, c'est pas ça. Non, ça passait bien, je trouve.
Tenez la droite, puis sortez à droite. Pardon. Pardon, excusez-moi. Sortez à droite. Il y a du monde autour? Non, à part celui qu'on vient de croiser, il n'y a pas grand monde. Ah, ça y est, on arrive en ville. Ça commence à se peupler un petit peu. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. La ville rose. Sortez maintenant. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Ah bon, c'est à gauche? Ah pardon, je suis pas sur ma bonne voie. Bizarre, quand on est à l'extérieur, il fait des bruits bizarres, le bus. Hein. Vous entendez? On l'a entendu craquer. Là. Tournez à droite. Hop là. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche, puis continuez tout droit. Allez tout droit, puis tournez à droite. Ici. Tournez à droite. Ici. Nous y sommes, sains et saufs. Entendez qu'il claque là. Regardez quand j'accélère. Hein? Ah, c'est ça. On dirait que... Alors c'est peut-être fait exprès, c'est peut-être un bruit de moteur électrique. Peut-être qu'un moteur électrique, ça fait ce bruit-là. Je sais pas, j'ai jamais eu de voiture électrique entre les mains, encore moins un bus. Ça passe peut-être des vitesses en auto ou un truc comme ça. Salut Boxy FR, bienvenue. Allez, on se met en place. Tac. Messieurs, dames, en espérant que vous ayez fait un bon voyage. Vous pouvez sortir, nous ouvrons les portes. Putain, mais il va me laisser mettre la cam comme je veux là. Allez-y. Bougez chez vous. Ils sortent pas? Pourquoi ils sortent pas? Arrêtez complètement le véhicule, qu'il a dit. Passagers are ready to board. Fully stop your vehicle and open both doors. Bah c'est fait là, non? Je sais pas, il y a une porte que j'ai pas ouverte. Hein, les portes avant, ils veulent pas ouvrir. Pourquoi elles s'ouvrent pas? Bah. Chuck, pourquoi elle veut pas s'ouvrir la porte? Je ne me trompe pas pourtant. Non, c'était pas jouabilité, c'était clavier. Ça a marché jusqu'à maintenant. Droite. Et vite de gauche, match gauche, ok. Contrôle, c'est ça, ouvrir, contrôle, ok, bah ça se trouve j'appuie encore sur Maj. Elle veut pas, attendez, j'ai un problème là. Mais non, j'ai pas la radio, je m'en fous. Et ça c'est la radio in-game. Est-ce que c'est parce que, attendez, on va reprendre tout, parce que je peux même plus fermer les portes, c'est quand même ballot là. C'est le sélecteur de vitesse, tu crois? Je suis en quelle vitesse, là? Là, je suis en marche arrière. Là, je suis au point mort. Tac, voilà. Donc, je remets au point mort. Je mets le frein. J'éteins. Mais c'est bizarre, les touches pour ouvrir et fermer, elles veulent plus fonctionner.
Bon, bref, on va dire que ça fonctionnait et que c'est terminé. Voilà. Hein. Je vais en profiter, je vais redémarrer le PC. On va faire la pause, donc, comme prévu. Je vais aller chercher, me faire un café, et puis je vais prendre 2-3 nounours. Enfin, 2 nounours, ça suffira. On se retrouve, allez, dans... Allez, maxi 3 minutes, ok? Allez, bonne pause à tout le monde. Ouais, les gens. Bon, désolé, j'étais un petit peu plus long que prévu. Mais, bah, des fois, pour tout vous raconter... J'ai cru que j'allais faire un petit pipi, puis une fois arrivé sur place, je me suis rendu compte que c'est l'histoire était beaucoup plus sérieuse que prévu. Donc j'ai pris un petit peu plus... Bon, bref, passons. Je me suis fait mon café. J'ai mes petits nounours. La base. La base. Hein. Les nounours. Vous voyez, j'ai le bras qui est super long. Hein. Regardez. Ah 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 ça fait flipper. Pardon, j'arrête. bon appétit. Bon alors, j'ai rebooté le jeu, et j'ai compris pourquoi ça voulait pas s'ouvrir. C'est juste que, bah comme j'avais coupé le moteur, il n'y avait plus d'électricité pour ouvrir les portes. C'est ballot. Hein. Bref. On retourne sur la scène de jeu. Donc nous sommes où? Nous sommes à Toulouse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui part de Toulouse? Est-ce qu'on a quelque chose qui part de Toulouse? Sinon, on se TP encore un coup. Liverpool, Londres, Carlisle, Glasgow, Rotterdam, Poznan, Prague, Düsseldorf, Paris, Liège, Dresden, Dortmund, Calais, Turin, Berne, Calgary, Bastia, Bordeaux. Calais, ça me fait flipper d'aller à Calais. On me dit qu'on est sur le serveur de jeu. Il risque d'y avoir beaucoup de monde. Le Havre, Limoges, Turin, Marseille, Marseille-Berne. C'est en Suisse, ça, Berne, non? On pourrait se faire ça. Et Marseille-Berne, on remonte. Allez, on va se TP à Marseille. On va se TP à Marseille, qui est Montpellier-Marseille. Pardon. Voyager. Ok. Moi, la vôtre, hein, au café. Ah, par contre, du coup, c'est chaud, hein. Je voulais une boisson chaude, je suis servi. Oh, c'est bon, les petits nounours, quand même. Oh, non. On a dit oui, hein. On a dit oui, oui, oui. Team nounours. Team nounours, les gens. Bon, allez, Marseille-Berne, c'est parti. The next stop is Marseille. Marseille, yes. Hey, Monsieur Panda! Bienvenue, Monsieur Panda! Et merci pour ton resub, très très cool de ta part. Comment ça va, Panda, en forme? T'as vu, je suis en bus. Et bang, marche plus. Qu'est-ce qui marche plus, Jacob? Et salut, Maréchal, bienvenue aussi. Alors, ces vacances, Maréchal, ça se passe bien? T'as fini, peut-être, t'es peut-être rentré? Bah écoute, Panda, ça va tranquille, ça va tranquille. Tu vois, on teste le bus là sur Truckers MP. C'est très sympa. Alors, je vais remettre du gasoil. Alors, en fait, alors c'est faut savoir que c'est un bus électrique. Mais pour le recharger, il faut mettre du gasoil dans le moteur de recharge du bus. C'est toute une histoire. Bref, cherchez pas à comprendre, on va remettre du gasoil. Il dit qu'il n'y en a plus en stock. De quoi qu'il n'y a plus en stock? Ah, le bang. Ah, bah oui, mais parce que vous en avez trop abusé, peut-être. Ah, c'est ça, hein, vous avez trop abusé du bang. Ah là, trop de bang tue le bang. Attendez, je vais regarder pourquoi il n'y a plus de bang en stock. Ne quittez pas. Récompense des spectateurs. Point de chaîne. J'avais pas mis de limitation sur le bang, normalement. Bang, modifié. Bah, normalement... Ah oui, mais c'est parce que... Tu l'as déjà utilisé deux fois. Allez, je mets trois fois par personne. Voilà. Tu m'as déjà fait peur deux fois aujourd'hui, c'est pour ça. C'est pour ça, tu vois. Du coup, je dis quand même mon cœur. Donc, c'est pas plus de trois utilisations par personne et par live. Et salut Nico, bienvenue.
Donc oui, du coup, je disais que j'avais le plein. Ouais, c'est bon. Du coup, Panda, ouais, on est en train d'essayer le bus là, et je trouve que c'est très très sympa, très bien fait. Peut-être que je démarre avant de pouvoir partir. Il veut pas que je démarre là d'ailleurs? Je comprends pas là. Peut-être que je passe la première aussi. Vacances, c'est un grand mot, mais ma vie. Ah, t'es en villégiature, d'accord. Bah, j'avais pas capté, je pensais que tu partais en vacances. Et oui, ça se passe bien. Bon, bah, c'est le principal. Alors, attendez, j'ai un problème de bus électrique. Je démarre. Je passe la première. J'accélère. Il veut pas. C'est un mode, c'est un peu plus qu'un mode. Ah voilà. Parce que j'étais le long du poteau qui voulait pas avancer, pardon. C'est un peu plus qu'un mode, Nico. C'est en fait une appli off. En plus, je savais qu'elle allait arriver puisque tu m'as demandé de la réactiver. Et je me suis fait avoir quand même. Attendez, je finis ma Tournez à bouche hein, parce que j'ai gauche. des nounours. Moi j'aime bien le bus, mais quand mon jeu ne fait pas des fatales erreurs. Ah oui, bah, j'ai vu qu'il faisait des fatales erreurs hier pendant Préparez-vous ton à live, tourner à hier ou droite. avant-hier, je sais plus. Mais c'est pas lié au truc, hein. Donc oui, Nicolas, pour Tournez à t'expliquer, droite, c'est tu puis télécharges une continuez tout application droit. qui s'appelle Debus World, qui s'interface sur le jeu, et qui en fait te permet de faire Allez tout d'aller droit. charger des passagers et d'aller les décharger ailleurs. En gros, quoi. En gros, tu fais le bus, quoi. L'autocar plutôt, d'ailleurs, parce que c'est de ville à ville. Mais il est vraiment très optimisé quand tu joues sur Truckers MP. Quand tu joues en local, ça fonctionne, mais le GPS se met pas à jour, il y a plein de petits problèmes. Par contre, sur Truckers MP, ça marche nickel. Seul défaut, c'est pas un défaut, mais disons que seule restriction, c'est que tu n'as qu'un seul bus disponible. Celui-là. Un bus électrique, ou plus est. Mais sinon, il est très sympa, très bien fait. Donc là, on ouvre les portes à l'arrière, à l'avant. On laisse les gens rentrer. On ouvre les portes à l'avant, j'ai dit. Pourquoi il veut pas ouvrir? Ah, mais j'ai un problème de porte. J'ai un problème de porte, les gens. C'est la porte de droite, ça, normalement, il m'a dit, hein. Parce que s'ils peuvent pas descendre, les mecs, ils vont aller. Hein. Porte de droite, ouvrir la porte, c'est celle-là. Fermer, c'est celle-là. Non, mais c'est parce que je me suis trompé, voilà. Fermer, ouvrir et fermer. Voilà. Donc là, on ouvre la porte. Voilà, ça marche beaucoup mieux quand on met les bonnes touches. Marseille. Ouais, on est à Marseille. Ouais, yes, je confirme, on est à Marseille. J'ai passé hier après-midi 3 heures et encore hier à trouver l'erreur. Je reteste aujourd'hui. Bah ouais, ça te fait ça que dans le. Que avec ETS2? Et est-ce que le PC il chauffe? Parce qu'en ce moment, c'est peut-être ça. Bon appétit, un petit nounours tout le monde. Peut-être ton PC qui Next chauffe, ça stop vient. is Torino. On va à Turin, ok, c'est parti. J'avais dit Turin ou j'avais dit Berne, il me semblait, non? Attendez. Qu'est-ce qu'on va faire comme chemin? Ah oui, c'est ça, Marseille, Turin, Berne. C'est marrant, Berne, moi je voyais ça. En... C'était pas en Suisse, Berne. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'on remonte par là. Ok. Faudrait peut-être fermer les portes, Chuck. C'est dangereux de rouler avec les portes ouvertes. Hein. Voilà. J'ai désinstallé hier et t'as désinstallé Truckers MP aussi et ça le fait toujours, donc c'est que ça vient pas du jeu. Allez tout droit. Fatale erreur, ça peut être plein de choses, hein. Franchement. Tournez à Ça peut être un gauche. problème de mémoire. Ça peut être le PC qui chauffe, hein, ou la carte vidéo qui chauffe, et du coup, pouf, elle se met en carafe.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Après, en même temps, tu me disais l'autre fois là que t'allais mettre ton Au PC rond-point, prenez la troisième chez sortie. chez un professionnel là pour qu'il intervienne dessus. Ça peut être l'occasion de réinstaller un Windows. Hein. Ça fait un coup de neuf, hein. Un coup de propre. Sortez maintenant. Oui, salut, salut. L'autre, alors j'ai mis mon bus bleu pour pas avoir un bus comme tout le monde. Voilà ce que j'ai devant moi. Non mais allô quoi. J'ai réparé mes profils avec un logiciel, ouais. Au Ouais, tu peux rond-point, tenter de voir prenez la si troisième sortie. sous un autre profil, si t'as les mêmes problèmes. Tu peux tenter ça. Comme ça, si tu vois qu'il n'y a pas le problème, c'est que peut-être ça vient de ton profil, effectivement. Profil Windows, hein, j'entends. Hein. C'est-à-dire le nom que tu mets quand tu te connectes. Sinon, je Sortez vois pas trop, maintenant. quoi. En plus, si tu avais la page bleue avec un numéro, etc., tu pourrais, avec le numéro, essayer de choper sur Google, savoir. Un peu d'où ça va. Et si tu vas dans ton gestionnaire de tâches, pas le gestionnaire de tâches, mais le. Zut, comment il s'appelle? Ah zut, comment ça s'appelle? L'endroit où tu as tous tes rapports de plantage. Toi, de quoi je parle? S'il chauffait, ce serait. Il se met en sécurité. Ouais, c'est ça, t'as reçu les pièces, il va aller chez le réparateur. Ouais, mais bien sûr. Mais bon, d'ici là, si tu pouvais trouver par toi-même, ça serait pas plus mal. Ça te permettrait de pouvoir continuer à t'en servir. Ben non, ça dépend. Il se met pas toujours en sécurité. Hein. Oula, je viens de riper sur le trottoir. Il se met pas toujours en sécurité quand il chauffe pendant. Hein. Ça dépend. Hein. Moi, j'ai vu ça avec. J'avais eu un moment, j'avais un problème avec mon processeur qui chauffait de trop. Alors pas celui-là, hein, mais sur une autre config. Et ça fonctionnait jusqu'au moment où paf, page bleue. PC, il se met en carafe. Le fait de redémarrer, le processeur avait déjà refroidi un petit peu, donc ça repartait. Et ça redémarrait bien, et puis quelques temps après, pof, il replantait. Et ça n'a pas été simple à Tenez trouver. la Hein. droite, puis sortez à droite. Ça n'a pas été simple à trouver. Hein. Il s'y fait, lui, on lui dit de sortir à droite, il plaisante pas, il prend la bande d'arrêt Sortez à d'urgence droite. carrément. Bah oui, mec, il faut Tournez à savoir si tu droite. te mets sur la bande d'arrêt d'urgence ou tu. T'y mets pas, mais. Moi, j'ai cru qu'il allait s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Il était sur la bande d'arrêt d'urgence, le mec. A priori, je crois qu'il avait un peu trop serré à droite. Ah, il te le fait quand il n'y a rien d'ouvert. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un problème de Windows. T'as pris une mise à jour qui n'allait pas. Essaye de faire un point de restauration. T'as dû prendre une mise à jour Windows qui fout le bordel. Quelque chose dans ce goût-là. Tu peux essayer de faire un point de Tenez la restauration, droite. de revenir ce type une semaine ou deux en arrière sur ta config Windows. Voir ce que ça donne. Attends, Jacob, j'autorise ton message. Poum, quitte à avoir un accident. Ouf. Non, les PC se mettent plus en sécurité. Bah oui, tiens, Jacob, il peut te le dire, lui, il s'est fait avoir. Lui. Il surchauffe, j'ai déjà niqué un processeur à cause d'un ventirad HS. Ouais, voilà, Jacob, il s'est déjà fait avoir comme ça. Hein. Non, ça se met pas toujours en sécurité. Hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Il fait bip 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 bip. J'étais en excès de vitesse, je pense. Je vais devoir revenir des mois en arrière. Pourquoi ça fait longtemps que ça te fait ça? Après, c'est pas très grave, hein, Panda, hein, parce que quand tu Tenez fais un la point de droite, restauration, puis sortez à droite. c'est pas tes applications que tu fais revenir en arrière, hein, c'est juste ton Windows. Hein. Sortez à Donc, droite. non, parce que là, il va me faire re-rentrer. Donc, même si tu reviens Entrez deux en mois en impatient. arrière, après, tu vas reprendre les mises à jour, et puis voilà, quoi, ça va aller. Hein. Après, c'est sûr, si tu es obligé de revenir 6 mois, 1 an en arrière. Ça va peut-être poser des problèmes, j'avoue. Mais si tu reviens 2 mois, 1 mois ou 2 en arrière, en théorie, ça devrait aller. De toute façon, foutu pour foutu, si ça marche plus, faut tenter des choses, quoi.
Sinon, ben, tu vois, je te disais de faire tes sauvegardes, tu vas peut-être être obligé de les faire. Parce que ça peut être, franchement, ça peut être l'occasion. Tu l'emmènes chez ton mec là, qui va bosser dessus. Tu fais tes sauvegardes avant, tu leur dis, ben non, en fin de compte, mon Windows, il est pourri. Formatez-moi le disque, faites-moi un truc propre, réinstallez Windows, réinstallez-moi les pilotes et tout. Et voilà. Même pour lui, hein, c'est moins compliqué, enfin, c'est moins casse-pied que de tout cloner. Hein. Bon. C'est peut-être pas le même prix non plus. Il y a ça quand même à prendre en compte. Mais le. Vous devez débloquer. Pourquoi j'ai le différentiel d'allumé, moi? Mais le point de restauration, pourquoi pas, hein, ça se tente. Hein. J'ai du monde dans le bus, moi, je sais même plus. Oui, j'ai du monde. Ah, puis ça, les trucs fatal error. Alors, ça dépend, tu sais, quand il te dit fatal error, après, il te met un code, souvent 0x, et puis des chiffres. Ça, tu le notes, et tu cherches sur Google. Parce qu'avec ça, normalement, tu dois pouvoir savoir au moins d'où vient le problème. Est-ce que c'est un problème d'écriture disque, c'est un problème d'écriture ou lecture même en mémoire, ou tu vois, des choses comme ça. Peut-être que ça peut au moins te guider dans ta recherche, quoi. Ventura va être changé, les SSD, puis sortez à et trois ventilos vont être installés. Ouais, ça va lui faire du bien. Trois ventilos de plus, ça va lui faire du bien. Hein. Sortez à droite. Non, non, je vais tout droit. Ah, moi, c'est vrai que dans mon PC, mon boîtier, quand je l'avais choisi, je l'avais pris justement parce qu'il était blindé de ventilateurs d'origine, quoi. Et moi, j'ai quoi? Je dois en avoir. Alors, j'en ai trois en façade, dont deux qui ventilent les disques durs. J'en ai un pour la lime. J'en ai un à l'arrière, donc ça fait 5. J'en ai un dans chaque porte. Donc ça fait 7. Je crois qu'il y en a 8 en tout. Ah oui, j'en ai un au-dessus qui renvoie vers la. Qui aspire de l'intérieur pour envoyer vers au-dessus. Voilà. Et en plus de ça, à l'intérieur, moi, j'ai le ventilateur du ventirad. Il y a le ventilateur de la lime. J'ai essayé de faire du câble management à peu près correct pour que les flux d'air puissent bien bouger. Donc je croise les doigts, mais pour l'instant j'ai jamais été emmerdé avec de la surchauffe. Bon là je viens de rajouter un NVMe, il paraît que ça chauffe vachement ça. Donc on verra. Hein. J'ai profité que j'ai reçu la paye Twitch, j'ai rajouté au bout et j'ai racheté un NVMe. Sortez maintenant. Ça va faire un petit peu plus speeder les jeux, parce que c'est vrai que moi mes jeux je les mettais sur un gros disque dur de 4 Go. Alors le disque il est gros, il est énorme, t'en mets plein dessus. Par contre il a 5200 tours minute, il se traîne mais waouh. Donc du coup là j'ai dit bon, on va prendre un petit NVMe pour les gros jeux style Microsoft Flight Simulator. Hein Maréchal, tu sais de quoi je parle. Du coup, j'ai désinstallé Flight, je l'ai réinstallé sur le NVMe, ça change tout. Tu veux essayer un truc, papy, tu me diras si je me trompe. Il faut faire attention à ce qu'on télécharge. Ah bah oui, bien sûr, si tu télécharges de la merde, oui, bien sûr. Mais, bon, Panda, il connaît, quoi. Je veux dire, il est pas né de la dernière pluie au niveau informatique. C'est beau. Au rond point, prenez la première sortie. Ah, par contre, alors, ce bruit de moteur électrique, moi, franchement, si je vois une annonce sur Truckers MP qui disent qu'on a un vrai bus, un autre pour un électrique, je suis content. Je kiffe. Salut Agent X, bienvenue. Bonsoir. Enfin, tu vas vite. Bonsoir, bonsoir. On est qu'en fin d'après-midi quand même. Mais bon. Quel est ce joli bot qui s'est fait bannir direct? Attendez, James, t'es là ou pas? J'ai un bannissement à faire, si t'es pas là, je le fais, hein, mais je sais que tu kiffes. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt? Ah, bah on va pouvoir le voir. Et pendant ce temps-là, il est où?
Et pendant ce temps-là, je vais bannir notre bot favori. Bon point. Prenez la première sortie. Il est là. Hop là, hop là. Regardez comme c'est beau. J'ai fait beaucoup de gaffe, il m'a coûté un salaire il y a 2 ans. Puis j'ai changé les pièces. Ah oui, d'accord. Je vais bien, mais j'ai chopé le Covid. Oh merde, agent X. Eh ben écoute, soigne-toi. Hein. Tu restes isolé, tu te soignes. Et puis, bah, c'est vrai que ça te... Enfin, moi, quand je l'ai chopé, le Covid, il m'a bien cassé. Hein. Allez, on regarde. Et pendant ce temps-là, on va virer notre petit bot. Bref, on reprend. Clique droit sur son nom. Bah ouais, mais j'ai changé de fenêtre comme un con, du coup je le vois plus. C'est ça le truc. J'ai voulu passer en mode en vue modérateur et du coup je le vois plus. Non mais j'ai noté le nom, puis j'irai dans la liste des bannis et je le rajouterai à la mano après le live. Sortez maintenant. Allez, on reprend. Du coup, j'ai même pas vu. C'était joli le point d'intérêt ou pas? J'ai même pas fait gaffe. J'étais tellement occupé à essayer de bannir l'autre là. Bon, il y a Wizbot qui l'a Théo pour 5 minutes déjà. Depuis que tu as eu ta panne de ventilateur, tu guettes tout le temps le ventilo. Bah oui. Hein. Comme on dit, chat est chaudé, craint l'eau froide. On écoule toutes les 40 minutes. Ah bah ça va, par contre c'est précis. Ça va encore, moi ça coulait, c'était une fontaine, ça arrêtait pas. Malgré que j'ai les poils de la barbe qui me protègent, j'avais super mal à force que ça coule. Sinon à part ça, ça dit quoi? Bah toi, ça dit qu'on est en train de tester le TS en bus, en car. C'est sympa, j'aime bien. On prend des passagers, on va les déposer ailleurs, on en reprend d'autres, on va les redéposer et tout. C'est cool, ça change. C'est original. Du coup, comme je disais tout à l'heure, ça m'a hypé, j'ai réinstallé Bus Simulator 21. Hop là. Non mais alors, l'autre, c'est celui qui était sur la bande d'arrêt d'urgence tout à l'heure, ça? Bah oui, il m'a rattrapé pendant que j'étais en pause. Bah voilà. Ah, il y a un nouveau bus? Non. C'est pas vrai. Attends, on va regarder. Faut que je me pose quelque part, mais dès qu'il y a un endroit où se poser, on va regarder ça. Un Iveco? Sur Truckers MP, tu dis? Où c'est que je vais m'arrêter, moi? Ici, là. On est pas mal, là. Hein, on est pas mal. Ah non! Tu voudrais qu'ils le mettent? Ah, mais tu m'as fait une fausse joie! Oh, c'est pas drôle, là. J'ai cru qu'il avait un autre. On va vérifier quand même pour être sûr de pas d'avoir mal. J'ai cru que tu avais dit qu'il y avait un autre chez Iveco, moi. Acheter en ligne. Donc il y a le bus là, voilà. Le bus là, tu peux le prendre dans n'importe quel chez n'importe quel concessionnaire. On est bien, Tintin, qu'on dit. Ben voilà, je lis. Jamais là quand on a besoin de lui, hein. Incroyable ça. Il y avait un mec, un bot à ban. Puis du coup, je l'ai pas réussi à le ban, j'ai juste noté son nom. Tu m'as fait une fausse joie, Jean X. Hein. Je bosse, monsieur. Non, mais alors. Il va nous faire croire ça. Mais oh, allô, quoi. Allô, quoi. Et tiens, j'enlève les warnings parce que. Incroyable ça. Je vois rien du tout. Non mais t'inquiète, je lis. Je plaisante.
J'ai mis son pseudo de côté et puis à la fin du live, j'irai le rajouter à la mano dans la liste des gens ban. Parce que comme un idiot, j'étais pas en mode modérateur, avec la vue modérateur. Donc quand il a fait le truc, j'ai voulu faire vue modérateur, au lieu de faire comme me dit Maréchal, au lieu de faire clic droit dessus, bannir. Non, j'ai voulu faire mon malin, vue modérateur. Mais comme Wizbot avait supprimé le message, bah, une fois arrivé dans la vue modérateur, je voyais plus. Moralité, je me suis fait U. Mais c'est vrai qu'en général, quand je suis sur une chaîne où je suis modérateur, je suis toujours en vue modérateur. Du coup, je fais jamais comme m'avait dit Maréchal. Si tu veux, je peux le faire. Non, mais t'inquiète, Agent X, je le ferai. Hein. T'inquiète. Puis non, tu peux pas, faut être modo pour le faire. A minima, quoi. Oh la vache, regardez, je suis à 90. J'avais jamais roulé à cette vitesse-là avec le... avec ce bus-là. Bon, c'est limité à 70, mais je m'en fous. Pour une fois que je vais à cette vitesse-là. Et GG, level up pour Maréchal, qui est écuyer de level 27, pour Panda, qui est explorateur de level 18, et pour Jacob, qui est écuyer de level 38. GG, les gars. T'as que 78 km avec ce bus, mais moi je commence à en avoir fait un petit peu. Hein. 2500 là, tu vois. Avance. Weekend, allez, je dis. Non. 18h pile poil, ça y est, t'es en week-end. Mec, un vrai fonctionnaire, je vous le dis, moi, les gars. Et il se plaît en plus. Papy, vas-y, mollo, je suis au fond du bus, j'ai envie de vomir. Mais non, t'inquiète. Aïe, qui c'est qui fouette ? Jacob ! Allez tout droit. Ah, le plus, la vitesse, le plus que t'as réussi à faire, c'est du 78 km/h. Bah oui ! Il avance pas ! Là, c'est parce qu'il y a eu une descente. Non, il avance pas. Merci, 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 Panda. Toi, t'es pas comme Jacob, au moins. Toi, tu me fouettes pas. Tu me félicites, ça fait plaisir. Merci Jacob. Bah l'autre, pourquoi il klaxonne ? Ok, salut. Je pense que c'était ça, ça voulait sûrement dire salut. Oui, oui. Que calor, Nicolas qui régale, qui met les Papy Girl dans la place. Allez, je vais laisser la place. Je laisse la place aux Papy Girl. Il va falloir que je rajoute ça dans les commandes. Que si ma cam est à gauche quand on lance les Papy Girls, alors que ma cam est à droite. Et qu'après, on revienne à gauche, bien sûr. Préparez-vous à tourner. Aïe ! Je ferai ça le prochain coup. Jacob ! Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Conduit bizarre, lui, hein, je trouve. Hein. Tournez à droite. Ah ouais, j'ai un peu serré là. Pardon, excusez-moi. Bah je peux pas, hein. Faut que je recule là. Voilà, hein, je peux pas, faut voilà. Ah lâche. Bon, on va quand même s'excuser, hein. D'avoir foutu la merde. Voilà. Oh, en majuscule en plus. Désolé. Mec, il plaisante pas. Hein. Mais enlève les warnings. En fait, t'es à 998 km. Ah bah oui, bah là, t'en as fait. C'est ça, le mec, il dit, bah allez, moi je passe parce que là, il a l'air chelou, le mec, avec le bus bleu, là. Ah oui, c'est ça. Je joue chez T. Le mec, c'est China ET VTC ET, deux fois ET 04 Kevin. C'est marrant, Kevin, je vois pas ça comme un nom chinois, moi.
Un prénom chinois. Les mecs, ils roulent comme un ouf, lui. Vitesse qui va, je réussis même pas à le suivre. Oh, j'ai le hockey. Avance là avec ton bus chinois. T'as fait 3 lignes, bon j'en ai pas fait beaucoup plus hein. J'ai dû en faire 2-3 pour tester l'autre fois. Et là c'est la quoi? C'est la 3ème ou 4ème de la journée, je sais plus. L'autre avec le bus vert, avec le bus bleu là, on sent qu'il est pas rassuré hein. Regardez, il roule presque dans la bande d'arrêt d'urgence. Tenez la gauche. Ah ouais, bah ça tombe bien, j'y suis. Regardez-moi ça. 90 km/h, un vrai thug. Hop là, pardon. Je vais ralentir. Tenez Turin. La gauche, puis tournez à gauche. Torino. L'autre, le feu rouge, non, on ne connaît pas lui. C'est moche, hein, déjà qu'on fait des excès de vitesse, hein, si en plus on brûle les feux rouges. Ça fait un total de 2150 €. Alors, je sais même pas, il faudrait que j'aille voir sur le site. Bon, après, ça ne sert à rien, on a de l'argent qui ne sert à rien, c'est dommage. On va les réparer, tiens, tant qu'on passe à côté. Recalcul. Bonjour. Réparer. Réparer. Ok. Ok. Allez, avance. Alors, ça fait quoi de se faire pénétrer par un bus? Putain, on croirait un truc de film porno. Une tournez réplique de droite. Film porno, tu sais. Tenez la droite, puis tournez à droite. 25 000 de réparation, ça pique, oui, un peu, ouais, mais bon. Tournez à droite. C'est pas très grave. Puis sur le serveur 1, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça, le serveur 1. Simu 1, voilà, c'est ça. Faites demi-tour dès que possible. Sur arcade, ça marche aussi, oui, mais j'y vais jamais sur arcade, non. J'aime pas. J'essaye de jouer un minimum RP, même si je suis pas full RP. Donc l'arrivée à Turin, messieurs, dames. Donc, on ouvre la fenêtre. On ouvre la porte. Voilà. Torino. Allez-y, messieurs, dames. Enfin, c'est surtout messieurs. Hein. Putain, je me suis fait une boisson chaude pour que ça me désaltère. Et en fait, j'ai dû boire deux gorgées. Je suis sur le café, il est froid. Moi, c'est mieux arcade, car vu que j'ai pas un bon PC et qu'il bug beaucoup, je reste sur arcade. Ah oui, d'accord. Hein. Il est temps de prendre la route. Ok, on ferme les portes. Boum, boum. Et on y va. Fin de part enclenchée, pardon. Allez, prochaine livraison, Berne. Livraison. Mais je veux absolument que ça soit des livraisons comme si c'était du bétail, tu sais. Excusez-moi, messieurs, hein. Faites demi-tour. Il attend que le feu soit rouge, là, l'indépendant. Là. Tournez à droite.
Oui, je voulais voir, c'était quoi F3, combien de kilomètres? 337 kilomètres. Pouf, bagatelle. C'est sympa, on voit même les gens dans les bus des autres, regardez. C'est sympa, quand même. Moi, je trouve que, franchement, elle est bien faite, cette extension-là. Elle est assez sympa. Hop là. Pour le Covid, faut attendre 5 jours avant de faire son test. Je sais plus. Faut que tu ailles voir sur le site. Tenez la gauche. .org. Là, peut-être Covid.org ou je sais plus c'est quoi, le truc du gouvernement où ils expliquent tout. Tournez à gauche. Mais c'est si tu travailles. Hein. Travaille pas ou t'as pas de. T'as pas d'obligation. Pas obligé de refaire un test quoi, hein. Voilà, quand ça va mieux, puis c'est tout. Hein. Parce que moi j'en ai connu qui ont eu le Covid et qui sont restés positifs pendant un mois. Hein. Allez tout droit. Je suis mineur, j'ai 16 ans moi. Et alors? Tu peux travailler à 16 ans. Puis je suis pas censé le savoir que t'as 16 ans. Tu me l'avais peut-être dit, je crois pas, je me souviens pas. Mais par contre, c'est vrai que si tu veux te bouger, je sais pas, sortir, aller voir tes potes, faire des choses comme ça, vaut mieux que tu sois certain de ne plus être positif. Quoi, parce que si c'est pour leur refiler la merde, c'est pas cool, quoi. Tu fais ton bac, c'est pas fini le bac, là. Le 14 juillet, c'est fini, non? Alors oui, tiens, Panda, il vient de l'avoir, il va te le dire. C'est 7 jours en isolement. Et attendre 5 jours pour le test. Mais après 7 jours, t'es plus contagieux. Voilà. Même si t'es positif, après 7 jours, tu peux retourner et bouger. Ça, c'est délirant. Tenez la droite. Tu live jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la fin de la mission, là. Puis après, je vais m'arrêter. Il est 18h15. On n'aurait pas raté l'heure de l'apéro. Après, il y a barbecue, tout ça, tu sais. On y va tranquille, quoi. Car moi, je pars en Turquie jeudi. Ouh, bah alors là, par contre... ouais. Bah, je te souhaite, je croise les doigts pour toi, de pouvoir présenter un test positif. Hein. Jeudi. Un test négatif, pardon. Jeudi, et on est samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi... Et tu l'as depuis quand? T'es positif depuis quand? Oh, James! Parce que partir à l'étranger, c'est pas sûr qu'ils te laissent partir. Quoi. Parce que ça, les règles de 7 jours, c'est en France. Là. En fait, t'as fait ton test aujourd'hui. Ah oui, ah bah oui, ah bah c'est... Oui, ça va être serré, comme dit Panda. Ça va être serré. Hein. Ouais, comme tu dis, t'as plus qu'à croiser les doigts. Si t'es croyant, fais une prière. Si t'es pas croyant, croise les doigts. Ou tu peux faire une prière en croisant les doigts, tout en caressant une patte de lapin, et en faisant des bisous à un trèfle à quatre feuilles, j'en sais rien. Ça peut tout tenter. Hein. Ouais, Jacob, petit barbecue. Allez, tout ma droit. Femme, on a acheté saucisses merguez et puis des petites andouillettes à faire cuire, là. Avec une petite salade composée fraîche. Ça va être de toute beauté. Un demi-verre de rouge avec ça. On devrait bien se régaler. Ah, et, hein, y a pas de mal à se faire du bien, quand même, bon sang. Faut qu'il y ait des avantages à pas habiter dans le sud. Moi qui habite dans le nord, eh ben, je peux faire des barbecues, même quand il fait super chaud, parce qu'il n'y a pas de risque de foutre le feu. Enfin, quoique là, je regardais l'herbe de mon jardin, puis aux alentours par chez moi, là. Mais l'herbe, elle est marron, elle est rase. Il n'y a plus d'herbe nulle part. Il y a Dieu avec toi, Jean. Ah, bah voilà, bah écoute. Non, mais je te souhaite de pouvoir partir, clairement.
Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je sniffe pas, car je suis musulman. Ah oui, puis un bon musulman, du coup, parce que bon... Il y en a... C'est pas que les musulmans, d'ailleurs, hein, tu sais. Hein. C'est... je crois que c'est à peu près dans toutes les religions qu'il faut pas se faire du mal à son corps. Mais t'as raison, de toute manière. En dehors de toute religion... T'as raison, c'est des trucs qui font plus de mal que de bien. Surtout quand tu es dans l'abus, quoi. Après, j'avoue que, tu vois, le demi-verre de rouge dont je parlais tout à l'heure, c'est sympa quand même. Mais bon, c'est ta raison, si toi t'es motivé, t'as raison. L'abstention totale, c'est aussi très bien. En fait, Dieu nous a donné un corps. Et quel corps ? Regarde ! Hein ? Bon, je suis un peu squelettique, tu vois, ça se voit. Mais sinon, un corps d'athlète, quoi, je veux dire. Non ? Je suis pas squelettique. Vous trouvez pas que je suis squelettique ? D'ailleurs, j'ai pas remis ma cam au bon endroit. Faut que j'automatise ça. J'aime pas quand c'est moi qui dois bosser. J'aime bien quand c'est automatique. Mes semi-verres de rouge, c'est vital. C'est toi qui as décidé de boire de temps en temps, c'est pas la faute de Dieu. Oh ouais, bah écoute ça. On va pas rentrer dans ces considérations-là. Hein. Toi tu crois en Dieu, d'autres ne croient pas en Dieu, d'autres croient à un autre Dieu, etc. Après, chacun a ses motivations pour faire ses choix dans sa vie. L'important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Voilà ce que je vais te dire. Il y en a, c'est parce qu'ils croient en Dieu, d'autres, c'est parce qu'ils disent que c'est pour pouvoir faire plus de sport, être plus efficace. Le troisième, ça va être parce que, je sais pas, il a eu une mauvaise expérience il y a quelques années, et que du coup, maintenant, il veut plus toucher à l'alcool, voilà, et ainsi de suite. Je veux dire, chacun a ses motivations. Toutes se respectent. Toutes se respectent. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. L'important, c'est d'être heureux. Le seul dieu qu'il y a, bah, c'est Allah. Salut Altona. Bah, tu sais, Agent X, moi, tu vois, je suis pas spécialement croyant en un dieu particulier. Par contre, qu'il y ait une entité au-dessus de nous, peut-être, et encore, j'en sais rien. Mais, qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques ou Philippe, je m'en fous, en vérité. Tu vois ? Qu'on l'appelle, qu'il y en ait qui l'appellent Pierre et d'autres qui l'appellent Jacques, bah, c'est pas très grave. Tu vois ? On peut imaginer, tu sais, que dans les différentes traditions, les différentes religions aient appelé le même dieu différemment. Hein, pourquoi pas, hein, tu sais. On ne sait pas. Hein. Bon, bref, on ne va pas parler religion ici, hein, Agent X, s'il te plaît. Parce que c'est le genre de discussion qui finissent en problème en général. C'est comme la politique et les femmes des autres. Donc, voilà. Dieu, c'est moi. Alors non, Jacob, si tu veux être dieu, faut que tu passes level 5, level 200. Donc, faut que tu viennes plus souvent. Ça va, Alto, en forme? On est dans la matrice, ouais, c'est ça, Alto. Regarde, Alto, on teste le bus. On fait des voyages, regarde, on emmène des passagers et tout. Là, on vient d'aller... On a déposé des passagers à Turin, on en a pris d'autres. Là, on remonte sur Berne, en Suisse. C'est de toute beauté le paysage par ici. M'a dit à mon PC d'être plus rapide. Cherche-toi un script de farm. Ouais, c'est ça. Non, bah écoute, voilà, fais ce que tu peux, tu viens avec ton téléphone, j'en sais rien, moi. Je peux même pas rajouter des points, moi. Je peux en enlever, mais je peux pas en rajouter. Toi, je peux pas tricher. Par contre, je peux enlever, je peux remettre à zéro.
Justement, c'est bien au cas où. Putain, je règle un peu vite là. C'est bien au cas où je constate que quelqu'un a triché, par exemple. Tu fais de l'autocar maintenant? Bah ouais, t'as vu, Alto. C'est pas mal, hein? C'est un truc qui a été rajouté sur Truckers MP, parce que là, tu vois, je suis sur Truckers MP, tu vois, il y a la petite fenêtre là-haut. C'est pour ça qu'on croise pas un chat à part les joueurs, là. Qui a été rajouté, on peut, avec un car, charger des personnes et puis aller les déposer à un autre endroit, etc. Il y a toute une ligne à faire avec plusieurs arrêts et tout, c'est assez sympa. Maintenant, du coup, il n'y a pas de livraison. Alors, tu gagnes pas d'argent dans le jeu, mais tu gagnes de l'argent sur le site de Debus World. Qui gère ça, tu sais. Ah ouais, il y a des personnes, regarde, ils sont là. Ah je sais pas si t'as... Ah il y a des personnes, fais-moi confiance. Et ce qui est sympa, tu vois, parce que quand on joue avec des bus joueurs dans le local, il n'y a pas de personnes. Enfin, tu les vois pas, les personnes, il faut être imaginatif. Alors que là, il y a des personnes, ils bougent, ils viennent, ils rentrent du bus, ils sortent du bus, ils s'assoient dans le bus, ils bougent avec toi. Et puis le GPS se met à jour pour te donner ton chemin et tout. Donc sur Truckers MP, il est beaucoup plus abouti qu'en local. Seul défaut, comme j'expliquais tout à l'heure, Alto, c'est que quand tu joues sur Truckers MP, tu as le droit qu'à un seul bus, celui-là. Peut-être que plus tard, ils feront des mises à jour pour permettre d'autres bus, mais pour l'instant, il n'y a que celui-là qui est permis. Alors que si tu joues en local, bah t'as le droit à plusieurs bus. Mais si tu joues en local, t'as personne qui vient dans le bus IRL, c'est à toi d'imaginer. Enfin, IRL. T'as pas de personnages qui viennent dans le bus, quoi. Oula, je suis en train de taper partout. Et puis surtout, moi, le gros point noir, c'est que quand tu prends une mission, ton GPS se met pas à jour et te dit pas où faut aller. Et alors, quand on me dit éventuellement aller à Strasbourg, bon, bah je mets un point à Strasbourg et puis ça va, je vais y aller. Par contre, dans Strasbourg, où est la gare routière, je peux tourner longtemps. Hein. Pense au gasoil. Alors, c'est un bus électrique. Mais oui, j'y pense quand même. La pauvre personne dans le bus qui se demande qui c'est. Oui, c'est ça. Non, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est plutôt sympa comme délire ce qu'ils ont fait. Et pour le gasoil, ah oui, effectivement, hein, on est bas. Hein. Prochaine pompe à essence, elle est pour nous. Hein. Alors c'est pareil, tu vois. Oula, oula, oula. Il s'est rien passé. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour l'histoire du... C'est un bus électrique. D'ailleurs, t'entends le bruit qu'il fait. Sauf que... Ben... Voilà, il faut trouver... Comme ça s'appuie sur le... Et c'est l'autre de tout à l'heure qui était devant nous, là, China VTC Kevin. Là. Comme ça s'appuie sur le moteur du jeu de TS2, bah en fait, faut quand même passer à la pompe à essence et faire le plein de gasoil. Alors, en mode RP, on dit qu'on va recharger les batteries, quoi, mais bon. Prochaine pompe à gasoil, il n'y a plus de bus. Bah oui, vu comment je le cartonne, le bus. Skin, le bus, il souffre. Ouais, c'est ça, ouais. Je roule un petit peu vite, comme je discute, je fais pas attention à la vitesse, et voilà, quoi. Il y avait une étiquette, moi, quand j'étais gamin, hein, qui était posée là-haut, là. C'était écrit... Ah ! C'était écrit « Ne pas parler au chauffeur ». Je comprenais pas pourquoi, maintenant, je sais. C'est pas possible, j'ai dû le débrider, là, parce que je vais à 90 sans arrêt, alors que je me suis traîné à 70 pendant tout le live. Pourquoi faut pas parler au chauffeur? Bah parce que ça le distrait et que du coup, il peut faire des bêtises. Voilà. Il y a toute beauté ces paysages. Hop là, on va essayer de rouler droit. Tout en regardant le paysage. Alors là, ça c'est mort. Ouais, je pense que les gens dans le bus, ils serrent les fesses. Non, j'ai pas désactivé le limiteur de vitesse, non. J'ai limité à 90 avec le limiteur de vitesse. Bien le bonjour, monsieur Hideki. Bienvenue ici. Je t'en prie, installe-toi.
Il se pisse sur eux, oui, c'est vrai, je roule moins vite, regarde, je viens de baisser, hein. On va respecter les limitations de vitesse, ça va être plus malin. On est à 80, c'est bien. Ah, là, voilà ma pompe à essence, pour recharger les batteries. Et GG level up pour LH Transport 76. Et explorateur de level 17. GG mec. Boum. Alors on remplit le moteur à gasoil qui va nous servir à recharger les batteries du bus électrique. Ça marche hein. Et merci pour le follow Hideki, c'est cool, bienvenue dans la team papy. Ça les court comme mode, mais étant chauffeur de car dans la vie, je suis pas sûr d'installer quand même. Sauf si mon patron me paye des heures dessus. Bah tu sais, moi je connais pas mal de mecs qui sont chauffeurs de bus, de chauffeurs de camions dans la vie, et qui jouent quand même à ETS. Hein. Donc c'est pas la même chose. Quoi. Heureusement que c'est pas la même chose. Et tu es level 9, agent. Ouais, ça monte tranquillement. Ça monte tranquillement. Plus tu seras présent, plus ça va monter vite. Et du coup, ton titre changera. Bah, ça change en fait, hein, moi je trouve un Hideki là. Je trouve que ça change de Road Truck, quoi. C'est une autre façon de jouer, c'est cool aussi. Oui, c'est sûr. Après, le fait d'avoir qu'un modèle... Oui, bah, là, je suis d'accord avec toi. Je vais attendre quand même. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est vrai que c'est dommage d'avoir qu'un seul modèle. Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi jouer en local. Et du coup, il y a d'autres modes qui sont compatibles avec le DB World, là. Le DBus World. Moi, je les ai tous mis. Il doit y en avoir 4-5 différents. Donc, on peut avoir plein d'autres bus différents. C'est assez sympa. Sauf qu'en local, je trouve que c'est... Comment dire ? Pour être gentil... Pas assez finalisé, on va dire ça comme ça. Voilà, tu vois. Préparez-vous à tourner. C'est beaucoup plus finalisé sur Truckers MP. Et les petits détails manquants, moi, me gênent. Tournez à droite. Si en solo ça marche, hein, agent X. Hein. J'ai essayé, moi. Ça marche, hein. Sauf que ton GPS se met pas à jour, donc c'est à toi d'aller aux endroits pointés artificiellement sur la carte pour dire je vais aller là, là, là et puis là. Donc faut savoir où sont les arrêts de bus, enfin les gares routières, parce que bah, par défaut ils sont pas notés. Et sur la map, il n'y a même pas de petit pictogramme qui te dit là il y a une gare routière, là il n'y en a pas. Quoi. Et puis autre truc, c'est que bah, quand tu t'arrêtes, tu ouvres tes portes et puis tu as juste la fenêtre qui se met à jour, mais en fait, tu vois pas les personnages qui rentrent, qui sortent et tout. Tenez. Alors, c'est la sympa droite, ça. Puis tournez à droite. On est à droite, ok. Pour Gundorf, bah, ça marche pas. Ah bon, bah je sais pas, moi j'ai essayé. Oh, j'ai essayé sur la map d'origine, hein, sur celle-là. Ouais. Par contre, c'est cool d'avoir mélangé les gens en semi et en bus. Ah bah oui, carrément. Carrément. Je suis d'accord. Buvons, faut s'hydrater, il fait chaud. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai plus à boire. Bon, bah, je vais remettre un petit coup de Perrier. Oh là, le feu est vert. Alors, Hideki, si t'es professionnel, ferme les yeux de temps en temps. Hein. Il y a des choses qui vont te choquer dans ma conduite. Parce que moi, je n'y suis pas du tout. Et je réussis pas à me mettre le gabarit, hein, surtout dans les virages. Alors, où je prends trop large, ou je prends trop court. Du coup, le bus, il prend cher, quand même. Je vois pas le... Car Debus World donne un profil avec le bus Solaris, mais avec le level 14 000 et 100 000 de cash. Oui, j'ai vu, ouais. J'ai essayé, j'ai vu, ouais. Après, moi, le profil, je l'ai supprimé. Je m'en fous. Préparez-vous à tourner à gauche.
juger sur un jeu, c'est compliqué. Ouais, je plaisante. Ah ben dans la vraie vie, je prends pas le volant. Hein. Ou alors je fais, mais je conduis pas pour de vrai, ça va pas, non. C'est pas pour rien qu'ils donnent des permis. Hein. C'est beau. De toute beauté, n'est-ce pas? Allez tout droit. Bon, on est bientôt arrivé. Tournez à droite. D'ailleurs, on est arrivé. Enfin, nous y voilà. Parfois, c'est plus facile à conduire qu'une voiture à bon. Où est-ce que je dois me mettre ici? C'est comme tout, c'est une question d'habitude. Oui, je pense aussi. Après, il y a des choses à savoir quand même, je pense. Mais effectivement, quand t'as l'habitude, c'est plus facile. Nous y voilà. Ouverture des portes, messieurs, dames. J'espère que vous avez fait un agréable voyage. N'oubliez pas le petit pourboire pour le chauffeur à la sortie. Hein. Faut toujours essayer, on sait jamais. Hein. Ça y est, le bus est vide. On va vérifier qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a personne d'endormi. C'est bon, il n'y a personne qui dort dans le bus, personne n'a oublié son portefeuille, rien du tout. Ok, bon. Très bien. On va aller au dépôt. Et on va s'arrêter là. Il est où le garage? Il est là. Boum. Prêt à rouler. Ah, ça y est, tu vas rentrer à la maison, je lis. Home sweet home. Après une dure journée de labeur. Hop là. Le plus perturbant à prendre en compte, c'est surtout de se dire qu'on est devant les roues. Oui, bah déjà rien que là, j'ai vu que les virages peuvent te permettre de beaucoup t'avancer. Ça braque rapidement. À gauche, qui m'a dit le monsieur. Ça braque rapidement. Hein. Allez, avance. Non ? Allez, bonjour, monsieur. Tout droit. Je sais pas ce qu'il fait, lui, avec sa voiture en plein milieu, là. Dave, ce soir, je sais pas, je lis. Je pense pas, non. J'ai du monde qui vient à la maison. Tournez à droite. Donc je pense pas. Ou alors tarpe. Si tu veux, je peux me connecter vite fait après le live là pour te rendre ton stuff. Mais c'est tout quoi. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Ce fut une belle balade. Et voilà, home sweet home. Putain, il n'y a pas d'endroit pour se garer? Ah si. Hop là. La petite marche arrière qui va bien. Je roulais avec les portes ouvertes. Oh, heureusement que le patron m'a pas vu. Boum. Tac. Et voilà, c'est fini. Voilà une bonne chose de fait. C'est dommage qu'on n'en ait pas d'autres. Parce que celui-là, il est quand même relativement basique comme bus, quoi. Bon, ben les gens, sur ce, moi, je vais vous laisser. Hein. J'espère que ça vous a plu, cette petite découverte. C'était sympa. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que c'était assez cool. Hein. De toute beauté, n'est-ce pas, Julie? On va passer sur l'écran de remerciements. Merci à tous d'avoir été là. C'était très cool de votre part. J'espère donc que vous avez kiffé faire ça en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon samedi. Enfin, on est bientôt samedi soir, là, maintenant. Une bonne fin de week-end, en tout cas. Jouez bien, profitez bien de la vie, soyez heureux, faites bien attention à vous, et donnez du bonheur autour de vous, parce que ça, c'est important. Et merci à tous, je vous kiffe. Allez, à plus, je vous bye.
Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu en as envie, tu peux aussi laisser un commentaire ou un pouce bleu.